On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner en direct. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. On commence par les dames. Aujourd'hui, Claude Sarraute. Oh. Elsa Fayère. Joujou. Titoff. Oh. Pierre Bénichou. Oh. Et Pierre, excusez-moi, aujourd'hui vous n'aurez pas la vedette, puisque celui qui a la vedette aujourd'hui, c'est celui qui signe son arrivée dans notre équipe, Olivier de Kersauzon. Bravo ! Olivier de Kersauzon, je peux vous dire que Pierre Bénichou est très très inquiet, parce que jusque-là, bon, il paradait, il était le roi de cette émission. Ouais. Non, mais c'est la vedette, lui, je sais pas s'il va le rester longtemps, mais enfin, c'est la vedette pour aujourd'hui, quoi. Vous connaissez peut-être l'un non. et l'autre? Non. On a caboté ensemble. Je savais qu'il travaillait dans une station comme ici, dans un studio décoré par des non-voyants, mais à part ça, c'est tout ce que je savais vraiment de lui, quoi. Donc, On l'a pris en charge, C'est quand même très laid. Le mec qui a fait ça, j'espère qu'il a payé pour venir le faire. C'est gentil d'aider les handicapés à ce point-là, mais quand même, on va vous exagérer un peu. C'est notre quota ici. Ouais, ouais, enfin, rouge et blanc, c'était pas mieux. Hein. Et encore, je veux pas dire, mais ils ont mis le paquet aujourd'hui quand même. Regardez, tout n'a pas été refait, Claude. Vous la retrouvez dans le même état que... Avec une petite ampli quand même. Voilà, c'est trop cher. Je trouve même très abîmé. Hein. Pas du tout. Tu étais déjà très abîmé quand je t'ai connu, c'est sûr. Je te trouve pas très abîmé, je te trouve plutôt en forme. Je trouve ton petit œil qui brille. C'est vrai que question calipette, monter l'escalier et tout, tu fais plus fraîche. Ah oui, t'as vu. Mais pour le reste, je m'accroche à la rampe. T'es formé. Oui, mais c'est bien. T'as vu. Je t'ai vu. C'est vrai. Tu disais la rampe. Je te tiens. C'était vachement touchant. Moi, j'adore ça. Je suis pas tellement un homme qui vit dans le passé, mais lorsque un beau reflet du passé réapparaît dans le présent, pour moi c'est un bonheur formidable. Oh. Et c'est ce que tu viens de faire tout de suite avec cette flamme rouge qui t'habille. Oh non, mais attends, t'as vu tout ça pour moi. Tu sais, la prochaine fois. Toi, tu fermes ta gueule. Attends. Moi, j'aime bien le décalage. Moi, je trouve ça très dommage. La grenouille de 14 ans et demi à ma droite, tu vois. C'est pas habillée comme une nana de 14 ans et demi. J'allais vous la présenter, justement. J'allais vous la présenter, mais je pense que vous avez trouvé une meilleure définition que moi. C'est vrai, c'est une sorte de grenouille de 4 ans et demi. Mais quand même, avec des jolis seins. Je dois quand même. Et un joli cul aussi, je me permets, parce que c'est pour l'équilibre. Bah oui, tant qu'on y est. Ouais, ça, ouais, c'est, oui, c'est. Vous allez pas être vulgaire le jour où il y a 400 ans, quand même. Laissez-lui le monopole. Ah, ça commence. Ah, mais je dois dire, c'est un challenge de monopole de la vulgarité. Quand on vient ici, on sait que t'es là. Alors, le petit, je vous présente tout le monde. Vous connaissez pas tout le monde ici. Le petit, ici, s'appelle Jérémy Michalak. On le surnomme Joujou. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire non plus. Hein. Depuis qu'on a appris qu'il y avait un nain à la cour polonaise, très puissant, qui était, je dois dire, le jouet sexuel de toutes ces dames. Et c'est un peu le cas de Jérémy Michalak, qui est jouet sexuel pour dames et pour hommes aussi. Olivier, ne fais pas de gaffe, ils sont ensemble. C'est un secret de polichinelle. Je me demande bien si le seul avec qui Ruquier n'est pas, c'est moi. Non, tu vas voir, moi je trouve jamais les bonnes réponses, t'inquiète pas. Alors lui, qui vient de parler là, s'appelle Titoff, c'est un copain, on l'appelle Titi aussi. C'est même étonnant que je puisse vous le présenter là maintenant, parce que normalement il n'est pas arrivé à cette heure-là, donc c'est déjà un exploit que finalement il soit venu. Non, quand on est en direct en général, et j'arrive de Marseille d'ailleurs. Ah, vous étiez au match. Pas de retard, tout ça. Je vous ai vu dans les... Ça t'impressionne pas les grands voyageurs? Ne dis pas. Le mec qui arrive de Marseille, sans sa mère, sans rien. Ouais, c'est pas croyable. T'es pas marqué d'ailleurs. D'ailleurs, ma mère ne t'embrasse pas d'ailleurs. C'est vrai que c'est un grand voyageur. Il était encore dans les gradins du stade Vélodrome. Mais je l'ai vu à la télé. Mais moi aussi. Oh là là. Ah, vous regardez le football, vous aussi, Bénichou? Oui, monsieur, je regarde le football. Pourquoi? Bah, je sais pas. Quand je suis avec toi, on regarde le basket, mais moi, je regarde le football. Je me disais que le dimanche soir, vous avez. Peut-être d'autres choses à foutre que de regarder. Non. Quand il y a l'OM, je regarde toujours. Marseille-Bordeaux. Vous avez regardé le match, vous, Elsa Fayère? Non, mais j'en ai entendu parler. Ah, ouais, quand même. Ouais. Le football, c'est pas votre truc, hein, Olivier de Kersauzon, j'imagine. C'est à moi que vous parlez, là? Oui. C'est pas votre truc, le football. Mais on va pas me parler sur ce ton-là. Pardon. Monsieur de Kersauzon. Voilà. Est-ce que le football serait un de vos sports fétiches? Juste aimé.
Le suivre de mieux et le connaître, mais mes activités m'éloignant des retransmissions, la plupart du temps, je n'y connais pas grand chose. Est-ce que ça vous convient? Ça me va comme réponse. Bah, tu remontes plus jamais au fil avec des conneries pareilles. Nous avons quelques auditeurs qui saluent votre arrivée, puisque votre arrivée était annoncée. Thierry qui dit Kersauzon Bénichou, ça promet. Et merci aussi pour le retour de Charlotte de Turckheim, qui était avec nous la semaine dernière et qui reviendra dans quelques jours. Vous avez aussi le docteur Globule qui nous écrit et qui précise que vendredi dernier, Titoff nous a confié avoir peur de la vaccination contre la grippe A et surtout des piqûres. Dans son cas, il n'a aucune raison de s'inquiéter, dit notre auditeur. Plus il y a de gras dans le ventre, moins ça fait mal. C'est de la marge. C'est pas faux. Félicitations pour le recrutement d'Olivier de Kersauzon, écrit François. Si vous avez l'occasion, demandez-lui ce qu'il a fait des bouteilles d'alcool qui étaient à bord du trimaran Geronimo avant l'arrivée à Yokohama en avril 2006. C'est un mail envoyé par Claude Sarraud, bien sûr. Hein. C'est vrai, ça c'est quoi cette histoire de bouteilles? Apparemment, c'est un auditeur bien au courant. Ouais, je pense que on avait des bouteilles d'alcool, mais on avait un japonais à bord. Donc le problème, c'est que quand t'es bourré, tu te rappelles plus, quoi. On l'a fait boire. Je pense qu'on a fait boire notre japonais. Ouais. Parce que l'alcool, dit-il, est interdit d'entrer dans un port au Japon et il fallait se débarrasser de toute trace d'alcool, c'est vrai? Je me souviens pas de ça. Je me souviens des amis en quarantaine et qu'on avait saoulé le japonais qui était à bord, tout le monde me souvient. Ça fait comment, un japonais de saoule? Oh, il prend des cousins! Ah ouais. J'avais jamais entendu, ça me fait plaisir d'entendre. Ouais, c'est agréable, hein, c'est du vrai japonais. J'imagine. Bonjour, merci. Bah, tout à l'heure, je vous demanderai de commenter peut-être les élections au Japon, puisque le Japon est passé à gauche. Ouais. Pierre Bénichou, vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant, merci. Ah, parce que vous ne suivez pas que le football, vous suivez la politique. Non, mais je aussi. Suis un peu pincé, je le resterai jusqu'à la fin de l'émission. Pourquoi êtes-vous pincé? Je sais pas, il y a une atmosphère qui me déplaît. Je ne sais pas comment vous dire, c'est une question de feeling. Pierre a les boules. Non, écoutez, on a deux auditeurs qui patientent au téléphone et qui vont vous affronter dans le cadre de la première question. Aminata, qui habite les Yvelines. Bonjour Aminata. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bonjour Fillette. Vous êtes aux Essarts le Roi, Aminata. Exactement. Parfait. Et que faites-vous là-bas? Ben, je suis aide-soignante. Aide-soignante. Oh. Voilà. Et Aurélien est à Valenciennes, dans oui, le Nord. Bonsoir Laurent. Bonsoir à toute votre équipe et bienvenue à Monsieur de Kersauzon. Ah. Je vous remercie, monsieur. Quel métier faites-vous, Aurélien? Disons que je me suis avec des associés, on a créé un site de vente sur Internet qui vend de TV, IFI et merci, cinéma. Ça suffit, oui. Non, c'est une grande aventure. Très bien, ben vous aussi, vous êtes un grand aventurier, j'en suis sûr, Aurélien. J'attendais votre arrivée sur l'antenne à tous les deux, Aminata et Aurélien, pour savoir si j'osais raconter l'histoire que m'a envoyé un auditeur pour Fabrice Eboué, toujours absent pendant ce mois de septembre parce qu'il est parti tourner au Québec, mais il reviendra bientôt. Fabrice, c'est que les histoires les plus méchantes, les histoires d'humour noir, oui, sont envoyées par des auditeurs parce que ça remplace Fabrice pour l'instant. Ah oui, d'accord. Et celle-là, j'ose à peine. Est-ce que j'y vais, Aminata et Aurélien? Oui, bien sûr. Ouais, mais oui, vous êtes prêts à tout entendre? On est en direct, on pourra pas la couper. Hein. Il y a pas de souci. Il y a le patron de la radio, il dit oui, vas-y. Il nous fait des signes. Je le dis tout de suite aux associations pour handicapés à l'avance. Mes excuses, je peux faire. Il y a des handicapés à l'avance. Mais il faut les dénoncer. Un handicapé à l'avance, ça va pas. Alors, quelle est la différence entre un tétraplégique et un spaghetti cuit? Spaghetti. Spaghetti cuit, ils sont mous. Quand on suce le spaghetti, il se met à bouger, lui. Oh non. Elle est odieuse, quand même. C'est affreux. Hein. Ah, elle est odieuse. Ouais. Elle est morte de rire, mais elle est aide-soignante aussi. Si tu veux. C'est peut-être l'habitude, tu vois, qui... ça lui rappelle des trucs. C'est dégueulasse. C'est affreux. Quel rapport avec les aides-soignantes? Bah, je me ferais pas soigner par vous, Aminata, franchement. Pourquoi? Bah, si vous marrez à des blagues... Je suis très douce. Bon, vous êtes très douce. Oui. Ah oui? Ouais. J'adore quand les femmes disent ça. Raconte un peu. Benichou, je pensais que vous n'allez rien me dire. Que vous allez écouter juste, parce que j'avais peur que vous dites que vous disiez quelque chose sur moi. Mais vous dites que vous êtes très douce, elle voudrait avoir les détails. Non, c'est bon. c'est bon. Est-ce que c'est vraiment parce bon? Vous et Olivier Kersauzon, j'ai un peu peur aujourd'hui. Il s'appelle pas Kersauzon, il s'appelle Kersauzon. Non, mais continuez à lui parler, il va jouir le papier. On va se décaler, hein. Aminata, Aurélien, vous êtes prêts? Oui.
Alors, on est prêt à jouer tous avec vous, mais ce sera dans un instant, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Aminata, Aurélien, vous avez fort à faire aujourd'hui, c'est vrai, ils sont 6 à tenter d'aller plus vite que vous pour répondre à la question qui vient. Vendredi, qui a été fait lord et a hérité d'un petit bout de terre, 90 mètres carrés seulement, en Écosse? Qui a été fait lord vendredi et a hérité d'un petit bout de terre de 90 mètres carrés en Écosse? Est-ce que c'est un Anglais? Oui. Ah. Waouh. Est-ce que c'est hérité de son père? Pardon? Est-ce que c'est hérité de son père? Non, il n'a pas hérité. C'est un abus de langage en fait, en quelque sorte. En fait, on l'a fait lord et on lui a donné. On l'a fait lord et on lui a donné 90 mètres carrés en Écosse. Est-ce que c'est une célébrité du showbiz? Ce n'est pas une célébrité. Pas du tout. Ah, il n'est pas connu. 90 mètres carrés. Moi, je veux bien 90 mètres carrés avenue Montaigne, s'ils veulent. Je veux bien. Mais non, c'est une grande valeur. Mais en Écosse, c'est chiant. C'est sur eBay. Il l'a acheté sur eBay. Non, pas du tout. Il n'a rien acheté. On lui a offert. On lui a donné. Ah, est-ce qu'il a été nommé par la reine, lord? Il n'a pas été nommé lord par la reine, mais j'imagine qu'elle avait donné son accord pour que cela se fasse. C'est le champion. Ou cela se fit. Non. Pardon, monsieur de Kersauzon. Je vous en prie. Il y a quelque chose de construit sur les 90 mètres carrés? Je ne crois pas. Pour l'instant, il pourra construire ce qu'il veut. Ça a une grande valeur marchande, les 90 mètres carrés? Je crois pas, autrement, lui aurait pas donné. Est-ce que c'est pas un coureur de 100 mètres? Non, c'est pas un coureur de 100 mètres. Lui, il est pas connu, en fait. On connaît pas son nom. Il n'est pas connu. C'est quelqu'un qui sort de prison, par exemple. Mais maintenant, lui, Lille n'est pas connu. Mais le monsieur. Ah, le monsieur n'est pas connu non plus. Si vous voulez, je vous donne même son nom. Il s'appelle David Kemp. David Kemp. Est-ce que c'est un humoristique? C'est pas mal, on comprend pas. Vous connaissez David Kemp? Ah oui, c'est l'inventeur du ressort à crevettes femelles. C'est très connu. Ça marche comment, le ressort à crevettes femelles? On trouve ça dans les grands bouquins de botanique. C'est un petit peu compliqué pour que vous expliquiez ça tout de suite, mais c'est quand même très important. C'est ce qui donne à la crevette son élégance et ses épaules. non, mais je suis sérieux. Donc, Kemp, oui, K-E-M-P. KMP, exactement. Oui, David. Merci, David. David, oui, son père s'appelait David aussi. Il a un fils Bernard. Bernard Kemp. Oui. Vous connaissez les Kemp, vous aussi, monsieur Bénichou? Non, pas du tout. Non, si tu connais les Kemp. Je connais Moi, je connais le grand-père. Le vieux Quimper. Robert Kemp, qui était le plus grand critique théâtral et feuilletoniste au monde. Il était académicien, il était devenu complètement gâteux, mais l'aimais très fort. Voilà. C'est pas le plus grand. Nous nous éloignons évidemment de notre lord. Quand même, c'est pas rien être fait lord. C'est pas pour la crevette qu'il a été fait lord, en tout cas. Du coup, nous parle d'un île qu'on connaît pas, d'un bonhomme qu'on connaît pas, et que tu veux qu'on te dise quoi? Il est anglais ou écossais d'abord? Qui est-il? Je pense qu'il est plutôt anglais. Est-ce que c'est lui qui aurait dépucelé Susan Boyle? Non, parce que là, je peux lui filer lord, la médaille, la totale. Faut le décorer, ce garçon. Il méritait une trentaine d'hectares. Mais elle les a. Conférence. Ouais, elle les a en jachère. Hein. Est-ce qu'il travaillait pour la cour? Laurent. Oui. C'est parce que c'est le 100 000e passager de l'Eurostar. Bonne réponse d'Aurélien. Attends, c'est ça le cadeau qu'ils lui ont fait? C'est génial. Exactement, Aurélien a trouvé la bonne réponse. C'est le 100 000e passager de l'Eurostar. Voilà pourquoi on ne sait pas qui c'est. On sait son nom. Mon cher ami, vous trouvez que c'est une petite récompense? C'est une punition. Non, mais 90 mètres carrés en Écosse. Bien sûr, si tu veux faire être fait, il y a des gens qui donneraient leur fortune pour être fait l'or. Demande-le à l'Égyptien là, l'ancien. Comment? Al-Fayed, demande-lui pour devenir lord, lui donnerait tout. Puis 90 mètres carrés de surface, pour faire un manoir, il faut au moins 12 étages, quoi. C'est vrai. Ou 15. Vous pouvez le faire en hauteur. En tout cas, c'est une bonne réponse d'Aurélien. Et vous savez quoi, Aurélien, vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui, on offrait un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un hôtel Latitude de votre choix, à la mer ou à la montagne. C'est mieux, ça, quand même. Qu'est-ce que c'est, Latitude? C'est encore pire que Mercure.
Ah non, 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 non. C'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Vous avez échappé de peu à l'Ibis. Moi, j'adore être en direct avec Claude. Ah ben, c'est être en direct avec Claude Sarraute, c'est formidable, les hôtels Latitude. Ce sont des hôtels 3 et 4 étoiles, Claude. Ah, alors. Et vous pourrez aller à Deauville ou au Val d'Isère. Les étoiles, en fait, c'est dans les toilettes qu'il n'y a pas de toit. Donc, les jours clairs, assis sur le siège, qu'on regarde le firmament pour aider à pousser, c'est là qu'on voit toutes les étoiles de l'hôtel. Sinon, il n'y en a pas du tout. L'hôtel Latitude, c'est des conneries. Non, mais ils se font une joie de partir. C'est pas vous qui allez vous moquer d'un hôtel qui s'appelle Latitude, Olivier de Kersauzon. Si, complètement. Ah oui. Je vois pas. En plus, ça sent moche, hein, c'est vrai. Hein. Bah, vous venez de perdre un annonceur, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, les hôtels Latitude vous offrent un séjour à la mer ou à la montagne. Ça vous va, je suis sûr, Aurélien. Ah, c'est parfait. Bon, et puis, il va pas se plaindre, il habite Valenciennes. Alors, franchement. Il n'y a pas d'hôtel. C'est ça, cette attaque contre le Nord est absolument ignoble. Ouais. Il y a des hôtels Latitude au Nord. Il y en a aussi. Qu'est-ce que vous choisissez, Saint-Raphaël, Toulouse, Val d'Isère ou Deauville? Quinquina. Je veux choisir maintenant? Non. Vous choisirez avec votre. Vous avez le droit d'y aller avec votre épouse. Vous êtes marié? Non, malheureusement. Ah, avec qui vous allez y aller? Certainement quelqu'un. Ah, bah oui, parce que pour une nuit d'hôtel, il faut. Vous pas aller avec moi? Elle a raison. Hein. Elle va aider à vous soigner, vous allez voir. Elle est très douce, elle est très douce en plus. Alors on peut aller ensemble. Dans quel état ils vont revenir le petit couple après le week-end Latitude? L'aide soignante, elle va ressembler à Poudriette pour peu qu'elle soit un peu ardente, l'autre coco. Ça va être du propre. C'est ce qu'elle va nous dire, vous avez une drôle de Latitude quand même. Non, Aminata, c'est perdu pour vous. C'est pas grave, Laurent, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci, Aminata. Voilà. Aurélien, un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel formidable, un des Latitude Hôtels de votre choix. Oui, Aurélien. Si je peux me permettre juste, je sais que ça se fait pas, mais est-ce que je pourrais faire un petit peu de publicité pour mon site qui démarre? Allez-y. Alors, c'est un site qui s'appelle lerougeson.fr. En fait, on fait de TV, IFI, Home Cinéma, et puis on va essayer de faire un petit cadeau aussi pour les auditeurs. En tapant Ruquier, on va essayer de leur faire 20% sur tout le site. Ah non, mais je veux pas qu'on me tape, moi, qu'est-ce que je raconte. Et s'il prend une grosse mandale. Merci en tout cas, et bravo Aurélien. Bravo à vous. Merci encore. Europe 1, on va se gêner. Question musique. Attention, ça peut faire chanter Pierre Bénichou. Une question musique. En effet, peut-être connaissez-vous la chanteuse Charlotte Julien, ça vous dit quelque chose? Elle sort un album de nouvelles et d'anciennes chansons, Charlotte Julien, et sur cet album, il y a un duo. Un duo, puisqu'elle reprend le célèbre tube de Dalida et Alain Delon, Parole. Vous connaissez cette chanson. Sauf que Charlotte Julien chante évidemment les paroles que chantait Dalida, mais qui a pris la place d'Alain Delon dans ce duo avec Charlotte Julien? C'est ma question. Tu veux dire qu'Alain Delon aurait cédé sa propre place? Ah oui, c'est un truc possible. Ça. Même avec Charlotte Julien, il fait plus Alain Delon. Attends, c'est un acteur, pas un chanteur. C'est quelqu'un qui a été acteur, mais il y a longtemps, c'est plus un acteur. Oh, il joue toujours un peu la comédie. C'est quelqu'un qui n'a jamais chanté. D'ailleurs, dans la chanson, il parle comme Delon parlait. Hein. Je te regarde pour la première fois. Voilà. On va l'écouter d'ailleurs, ce duo Charlotte Julien et X. À votre avis, qui fait un duo avec Charlotte Julien? Qui reprend le rôle d'Alain Delon? Il a quel âge? Il a dans les 60 ans? Il a plus de 60 ans. Mais pourquoi tu nous fais pas écouter? On trouvera tout. Ah bah non, c'est trop facile. Mais pourquoi tu donnes pas la réponse? Vous allez reconnaître sa voix tout de suite. Il a une voix très reconnaissable. Ah bah alors je sais qui c'est. Allez-y. Galabru. Non. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, en tout cas vous, Claude, Pierre aussi. Mais il a un accent du Midi en tout cas. Non, monsieur de Kersauzon aussi le connaît très bien. Moi aussi, je le connais très très bien. Il a joué des rôles. Je veux pas connaître un mec qui chante avec Charlotte Julien. Écoutez-moi alors, attendez. Quand vous allez savoir qui c'est, ça va vous faire un choc. Hein. Ouais, bah, c'est Philippe Bouvard. Je lui retire mon bonjour. Non, Philippe Bouvard chante quand même pas. Il en est pas ça à chanter avec Charlotte Julien quand même, Fifi. Non. Il est beau. Est-ce qu'il est beau? C'est un bel homme ou pas? Est-ce qu'il est reconnu pour être un bel homme? Si vous me demandez, c'est pas mon genre, voyez. Ouais, mais est-ce que c'est le genre de tout le monde? Est-ce que ça peut être le mien, par exemple? Non, je pense pas. C'est Sim. Non. Non, il est un peu plus costaud que Sim, quand même. Mais à peu près du même âge. Plus costaud que Sim. Il est plus costaud que quelqu'un qu'on a souvent au téléphone. Ah. Plus. Ah bon? Et même moi? Ah oui. Ah, vous l'aimez plutôt bien. C'est un copain à vous. Vous êtes allé dîner quelquefois avec lui, Claude. Ah oui? Qu'on a au téléphone. Tu m'en diras tant. Vérifie sur le compteur pour voir s'il n'a pas été dans tes entrées à une époque.
T'es un salaud, toi. Oui, je suis un salaud. Ah, c'est possible que Claude et lui aient fricoté. Il est très très âgé, donc. Ah ouais. Il est... Alors il était riche. Il était riche. Non, non, non. Là, il doit être de plus en plus riche parce qu'il fait des tas de choses incroyables en ce moment. Un ancien ministre ? Non, non, pas du tout. Non, c'est un Pierre Bellemare ? Non, pas Pierre Bellemare. Ah non, ça jamais. Ah non, on va les connaître. Écoutez, vous savez quoi ? On doit passer de la pub là maintenant. Je vous laisse réfléchir et peut-être. On pourrait pas re-entendre ? Oui. Juste le passage où il dit. Je te regarde pour la première fois, voilà. Ah ouais. non, parce que je vous dis, sa voix est très, très reconnaissable. Bah oui, mais c'est pour ça que vous l'aviez passé. Ah mais non, on l'a pas passé. Il est fou. Pierre Benichou est fou, on l'a pas passé encore, Pierre. Mais si, on vient de l'entendre. Mais non. Non, mais c'est vrai. Vous êtes de mauvaise foi. Vous essayez de faire croire aux gens que c'est du direct alors qu'on a entendu la chanson il y a un quart d'heure. Et que aucun auditeur l'a occupé. Mais vraiment, la malhonnêteté de ce mec est sans limite. Mais dis-je, bon, on a entendu à le début, hein. On est quand même pas gâteux. Alors, allez, je vous le ferai écouter tout à l'heure, mais après la pub. Voilà. C'est la suite d'Ondas Gênés sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Claude Sarraud, Titoff, Elsa Fayère et Monsieur Olivier de Kersauzon. Merci Julia. Je vous en prie. Effectivement, il sèche. Il sèche. Il faut dire que tout le monde n'est pas au courant de la sortie de cet album coffret de Charlotte Julien. C'est cette chanteuse qui chantait. Qu'est-ce qu'elle chantait déjà, Charlotte Julien? Allez hop, pas. Tout le monde à la campagne. Tellement de trucs, bien sûr. Non, elle chantait. Je me rappelle que j'avais un de mes équipiers qui se foutait de sa gueule tous les jours. Il chantait ça à l'avant du bateau. Je suis une fleur de province. Exactement. Voilà. Donc je sais ça de Charlotte Julien. Je suis une fleur de province. Ouais, ouais. J'ai entendu ça chanter au Cap-Horn. Ni trop grosse, ni trop mince. Ah ouais, c'est sexy. Ah, ouais. On peut vite trouver. Elle était bandante comme une carotte. Elle se met à chanter. Comment sinon, vous avez dit bandante comme une carotte? Vous trouvez les carottes bandantes? Mais non, justement. Quand vous avez été privé de légumes pendant longtemps. On rappelle que c'est 5 fruits et légumes par jour minimum. Hein. Alors, donc là, elle ressort un coffret de ses chansons, ouais. Mais il y a une chanson inédite, un duo. Elle reprend le fameux tube de Dalida et Alain Delon, Paroles et Paroles et Paroles. Mais qui reprend le rôle d'Alain Delon, puisqu'elle reprend celui de Dalida, évidemment. C'est un acteur ? Oui. Non, c'est pas un acteur. Quand il était plus jeune, il a joué parfois dans 2-3 films, au théâtre. Mais c'est pas un chanteur non plus. C'est un écrivain ? Non. Mais c'est quoi son boulot ? Alors, c'est pas un écrivain, au sens écrivain. C'est un parolier. Et qu'est-ce qu'il fait réellement, en fait ? Mais alors, il a publié un nombre incalculable de bouquins qui ont fait d'énormes succès, je dois dire. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. C'est, comment ça s'appelle ? Closet. François de Closet. Vous voyez François de Closet. Oui, très bien. Et je le verrais bien même s'accoupler avec Julien. Et s'ils font des petits, j'achète 3 bocals pour au moins prendre le quart de la douzaine qu'ils fabriqueraient tous les deux. Oh mais quelle merveille. Je verrais très bien. Ça serait très joli. François de Closet, Charlotte Julien. Ah oui. Il dit des livres qui se vendent beaucoup. Ah, oui, d'accord. Mais enfin bon, il y en a d'autres. Je ne sais pas comment. Quel beau mélange d'ADN. Surtout, on cherchait dans tes ex en plus, Claude. Donc, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non, va voyager à l'Académie. Tu le vois chanter. Oui. Il est capable. Ah, oui, oui, je le vois tout à fait. Je le vois très bien, moi. Oui. Bah oui. Non, c'est quelqu'un d'un peu plus fantaisiste, quand même. Michou. Mais vous allez être surpris, quand même, qu'il ait dit oui à Charlotte Julien. On devrait même l'appeler. Si on a son numéro, on va essayer de le joindre d'ici à l'heure. Et si tu nous passais le film? Ah, mais non, justement. Je vous passerai la chanson une fois que vous aurez trouvé. Est-ce que vous sauriez la fredonner paroles et paroles, Elsa? Allez-y. Peut-être, monsieur Kersauzon pourrait faire la. De nom, non, je peux même vous faire la coupe de Dalida. Je sais que c'est pas du tout radiophonique, mais ça m'amuse allez, tellement. Allez, Laurent, tu fais Orlando pendant ce temps. Hein. Caramel, bonbons et chocolat. Non, merci pas pour moi, mais tout peut bien les offrir à une autre. Taritative. C'est dommage que ne vous voyez pas le jeu de cheveux. C'est quand même. Ah ouais, c'est là. C'était pas mal, non? C'est très bien. J'ai rarement vu un aussi beau de cheveux qui ne m'aurait demandé autant de pellicules. Non, c'est-à-dire qu'il aurait fallu tourner, hein. Je veux dire. Bien sûr. Il est gracieux. Non, mais elle chante bien, ah ouais, magnifique. Elle a une voix magnifique. Un joli brin de voix. Alors, ouais. C'est gentil. Il lui manquait son Alain Delon ou son, puisque vous n'avez toujours pas trouvé. J'enrage. Vous avez même travaillé avec lui les uns et les autres. En tout cas, Olivier de Kersauzon a travaillé avec lui. Ah non. Il faut assumer maintenant. Je vais te péter la gueule. Ça va t'arriver. Arrête de dire j'ai travaillé avec un mec qui chante avec Charles Julien.
Non, il a publié beaucoup de livres qu'il n'a pas écrit. Il a joué au théâtre. Si, si, qu'il a écrit. Si, a écrit. Mais c'est pas un écrivain. Dans c'est quoi son boulot? Dans ses livres, on trouve d'autres choses. Il a une spécialité qu'on connaît bien tous. C'est un de ceux qui... Bah, je peux pas vous dire, moi, à vous de poser des questions. Tu dis qu'il est fantaisiste, dans quel non, sens? Non, il est fantaisiste, c'est amusant, il est drôle. D'accord. Il aurait sa place parmi nous, mais il se trouve qu'il va plutôt ailleurs, voyez. Donc, Jacques Balutin. C'est pas Balutin. C'est pas Jacques Balutin, mais non. Jacques Balutin a écrit beaucoup de livres qui ont été des énormes succès. J'ai jamais rien lu de Jacques Balutin. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez lu de Jacques Balutin ? Le Tour du Bois en vélo. 40 tomes. Kilomètre par kilomètre. Non, enfin. Mabille. Mais non, pas Bernard Mabille. Non, non, je vous parle de quelqu'un. Bernard Mabille, non, mais pardon. Quelqu'un, qui, très quelqu'un, bon qu'on camarade, aime, mais... quelqu'un qu'on aime bien, vous voyez, en on plus. On l'aime. Ah oui, on l'aime beaucoup, je vous jure. Il est très drôle. Quelqu'un de plutôt drôle, qu'on aime bien, qu'on entend même dans des pubs beaucoup en ce moment. Ah, Michel... oh, c'est celui qui fait la pub d'Anacol. Non. Michel Sardou. Jacques Weber. Je vois bien Jacques Weber en duo avec Charlotte Julien. Ouais. Pourquoi ouais. pas. Mais il est capable. C'est pas Daniel Prévost quand même. Mais non, pas Daniel Prévost. Les pubs. Ah non, 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 non. Quelqu'un qu'on aime bien, j'ai dit. Michel Leeb. Donc, ah, c'est pas, des pubs. Donc c'est pas Daniel Prévost. Michel Leeb. Mais non, pas Michel Leeb. Mais quoi, mais non, mais non, oui. Ouais, ouais, faut oh, il faut bien savoir. Non, écoutez. Il faudrait repasser le début de la chanson qu'on a quand même entendu il y a 20 minutes. Et comme il y a un montage pourri, mais que c'est du faux direct, il faudrait quand même devenir honnête. Je ne vous ai jamais passé cette chanson. Est-ce qu'on connaît sa femme? Sa femme, non, oui. Non. Il en a pas. Alors. Ah, fallait commencer par me dire. Alors, voilà ce que t'entends par fantaisiste. Alors, écoutez, je le connais bien. Je suis même allé chez lui. Et j'ai encore des doutes. Oh. Alors, je sais pas bien. Je crois qu'il a eu des enfants, mais j'ai jamais connu sa femme. Voilà. Michael Jackson. En duo avec Charlotte Julien. Ah oui, la chanson posthume. La dernière bande, oui. Amanda Lear. Amanda Lear, mais non. Non, mais oui, ça marchait. Mais non, quelqu'un qu'on aime bien. Qui... Ah, moi, j'aime bien Amanda Lear. Oui, moi aussi. Ouais, mais... mais quelqu'un qui a fait des disques il y a longtemps. Michel Sardou. Non. Ah, ça va pas recommencer. La semaine dernière. Quelqu'un qui fait de la télé, qui fait de la radio, qui a croisé très souvent Olivier de Kersauzon. Mais arrêtez, putain, mais. Dans la station d'en face. Et quelqu'un qui est là au téléphone, en plus, oh, il vous écoute. Mais il a le droit c'est de rien Jacques dire. Martin. Pas Jacques Martin. Non. Et il fait un duo avec Charles. Écoutez. Non, on lui a pas dit, en fait. Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est blond? Oh, je l'ai jamais connu avec des cheveux. Alors. Ah, bah c'est un indice, ça. On dit merci. C'est un chauve. Oui, évidemment. Complètement chauve. Oui, bonne réponse de Pierre Benichou. C'est pas un chauve. Tiens, Pierrot. Alors, qui peut bien reprendre? Oh, bah, c'est pas de. Koff. Jean-Pierre Koff. Ah, bonne réponse d'Elsa Fayère. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent, bonjour à tous, comment ça va les garçons? Il y a des filles aussi. Ah oui, ben bonjour les filles aussi. Ça va très bien Jean-Pierre, mais alors pourquoi vous avez pris la place d'Alain Delon auprès de Charlotte Julien pour faire ce duo Parole-Parole? Je me demande si Delon et moi n'avons pas le même âge, donc il était temps de reprendre la chanson. Et puis en plus, ça m'amuse énormément de travailler avec Charlotte Julien, que je trouve une femme très sympathique. Et puis, on a le droit de s'amuser à faire des conneries. Regardez ce que vous faites, vous, tous les jours. C'est vrai, Jean-Pierre. Enfin, regardez, même votre ami, enfin, je sais pas si vous êtes ami, mais Olivier de Kersauzon n'a pas pu imaginer un seul instant que ce soit vous, Jean-Pierre Koff. Qui... Pourtant, il pense à vous tous les jours. mais Olivier de Kersauzon, il doit avoir sûrement des perversions cachées comme moi. Et nous nous en parlons pas quand nous nous voyons. Je regrette d'ailleurs de ne plus le voir et je lui fais mes amitiés. Et je voulais en profiter pour lui dire que j'avais passé un moment exquis avec son livre pendant tout l'été. Oh, c'est très gentil ça, Jean-Pierre. Ouais. Mais parce que c'est vrai, j'ai trouvé son livre Ocean Song remarquable. Mais je pense que lui-même passera un moment exquis en écoutant le duo que vous formez désormais. Oui, non. La seule différence, c'est que lui, il peut se le mettre en boucle alors que moi, le livre ne peut pas. Comment ça, se le mettre en boucle? Vous voulez il peut mettre le disque en boucle et l'écouter 10 fois de suite. Je croyais que vous vouliez qu'il porte les deux coffrets autour des oreilles en boucle. Je me disais, s'il veut, oui. Ça pourrait être pas mal. Je suis pas sûr que ça y a son genre de beauté. Vous allez monter sur scène avec Charlotte Julien pour. Bien sûr, on va faire le Palais des Congrès. C'est une bonne idée. Jean-Pierre. Et j'espère que vous assurerez la promotion du spectacle. Ouais, puis au moins la petite Charlotte, elle est naturelle. Il n'y a rien de refait.
Ah, ça, vous pouvez être sûr. Elle est d'origine de bout en bout. Elle est bio, la petite Charlotte. Elle est propre. Elle est bonne. Elle n'est pas fabriquée par des industriels. Ses parents, c'est des petits artisans qui sont grappés dessus. Ils ont fait une fleur de province. Salut. C'est pas bien. C'est pas bien de se moquer. Je me moque pas du tout. Je me moque pas d'elle, mais je suis quand même très surpris. C'est un disque qu'on peut acheter chez Leader Price. Non, on peut l'acheter chez Renner Digest. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Et vous savez ce qu'on va faire? Nous allons être, je pense, les premiers. Les seuls. Et les derniers. Les seuls. Ouais. Ouais. C'est unique. Et peut-être même les derniers. À réécouter ce disque qu'on a donc écouté en début de. Déjà. En début à diffuser sur une antenne nationale ce nouveau duo. Ça n'a pas pu m'échapper. Charlotte Julian, Jean-Pierre Coff. C'est étrange. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je sais plus comment te le dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, quand c'était trop bon. Tu es d'hier et de demain. Bien trop bon. De toujours. Tu es ma seule vérité. C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je te comprends pas. Merci pas pour moi. Jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Non mais je t'en prie. Parole, parole, parole. Ah, je te jure. Parole, 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 parole. Encore des paroles. Tu sais mon vent. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal, merci. La question intelligente, la voici. De qui Moïse peut-il être particulièrement fier depuis ce week-end? De qui Moïse peut-il être particulièrement fier depuis Teddy Riner. C'est son frère Moïse. C'est son, pas père, son, frère. Son père. C'est son père Moïse. Teddy Riner, le champion du monde de judo. Bonne réponse de Titoff. Je l'aime beaucoup. Là, j'ai pas pu aller le voir, mais je suis allé le voir déjà combattre. Et c'est un champion magnifique. Il est jeune. Il a une famille vraiment sympathique. Et c'est un beau champion que je salue. Je l'embrasse au passage. Je l'ai pas appelé encore, mais son père s'appelle Moïse. C'est curieux c'est comme prénom. Beau, moi, j'aurais un père, je l'appellerais pas Moïse. Ah si, moi j'agresse. Quand on a le choix. C'est un des plus beaux noms qu'il existe. Ah oui. Ouais, c'est un nom, c'est une lignée. Elle arrête même de bien parler français, tu vois. C'est le plus beau nom qu'il existe. Un Judas, c'est pas bien. Faut pas s'appeler Judas. Là, c'est le judo, là. Mais Moïse, bravo. Moïse, champion de Judas. Ouais. Ça serait dommage. Bon, vos plaisanteries antisémites peuvent vous voir. Peuvent vous valoir 5 piges de prison, maintenant. Là, il était devant le magasin des Champs-Élysées tout à l'heure à 16h30. Forcément, ils vont toujours dans ce quartier, ces gens-là. Putain, il perd pas de temps, il fait la sécurité directe après. Teddy Riner, pour une séance de dédicace, un colosse, hein, vous avez vu, quand même, il pèse 125 kilos. Alors, pour 2 mètres. Mais alors, un coup de pied dans les couilles, il n'y a plus personne, arrête de conner. Non, mais on n'a pas le droit au judo de donner des coups de pied dans les couilles. Ouais, mais je fais pas du judo, moi. C'est vrai, j'avais vu comme ça, effectivement. Il fait 2m04 quand même. Alors, bah, il faut attendre les couilles à 2m04 déjà. Très souple. Non, mais je joue, il peut lui mettre un bon coup de tête. Un bon coup de tête. Même pas. En sautant. On parlait des Champs-Élysées, mais je vais aller dans votre arrondissement, Pierre Bénichoux, parce que vous êtes bien du 7e arrondissement, monsieur Bénichoux. Pas depuis longtemps, oui, mais j'y suis, oui. Alors justement, il se trouve que le 7e arrondissement est en tête d'un classement assez étonnant. En tête de quel classement? Des riches.
C'est-à-dire bah, c'est les appartements riches. Les plus chers. Oui, les des 3000 comptes en non, Suisse. Des gens qui payent l'impôt sur la fortune. Des gens qui payent l'impôt sur la fortune. Bonne réponse collective. Pierre, tu nous intéresses. Et ça date de quand, depuis que Rachida Dati est maire de là-bas Ça date de cette année. Ah. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était encore Neuilly-sur-Seine qui était en tête. Et le 7e arrondissement de Paris est passé devant Neuilly-sur-Seine. Parce que Rachida Dati a plus de robes de grand couturier, comme elle est maire du 7e, comme elle essaye d'être maire du 7e, que Sarkozy, qui n'a pas assez de Rolex. Ah c'est oui. pour ça non, que non, c'est, ça c'est pour ça que le 7e est devenu plus riche que le pas j'ai... du tout, c'était ça se jouait à une personne près puis Pierre Bénichou a aménagé là-bas et voilà, pour ça a basculé. Non mais c'est le vieux dicton Sarkozy parti, Neuilly s'appauvrit. Pierre, je savais pas moi que vous étiez entouré de gens riches comme ça dans votre arrondissement. Vous savez bien que le 7e arrondissement est un arrondissement où il y a des hôtels particuliers, des gens il y a des hôtels riches. Latitude, moi j'en ai vu. Dans le 7e, ça m'étonnerait. Ah, moi aussi. Peut-être une caravane qui reste garée 5 minutes. T'as déjà le marché de la rue Claire, quand même, où tu payes le quart de brie, le prix d'une Rolls-Royce. Ah, c'est quoi ce marché? Ah, c'est super. Ah, oui, c'est un marché très cher. Ah oui? Mais c'est bien quand même. Et puis ça bouge le 7e. Hein, je connaissais une tu personne qui habitait là-bas. Et tout, c'est bien. Franchement, une fois j'ai croisé quelqu'un dans la rue, j'ai été super impressionné. Ah oui, j'ai croisé quelqu'un. T'as pris une photo? Même pas, je suis parti en courant, ça m'a affolé. Une autre question qui va, j'en suis sûr, nous amener une réponse très rapide. Qu'est-ce qu'une Hollandaise de 13 ans n'a pas pu faire qu'un Anglais de 17 ans vient de faire? Partir autour du monde. Bah oui. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Aide-moi. Et voilà. Alors là, maintenant, Olivier. Comment partir autour du monde, c'est-à-dire? À la voile, une Néerlandaise de 13 ans devait faire le tour du monde en solitaire à la voile. Ses parents étaient d'accord, mais on a enlevé à ses parents la responsabilité de la jeune fille, parce que la justice néerlandaise... C'est même pas encore jugé. Ben oui, mais elle avait même pas enlevé la remorque du bateau. Alors il pose, quand il sait qu'Arsozon vient, il pose des questions de navigation et il tout. A raison, il est lèche-cul, ce mec-là. J'adore ça. Moi, je le trouve très vigilant et très perspicace. Il était grand temps qu'on développe ce dossier. Parlons-en de traversée en solitaire, là. Parlons-en. C'était dans toute la presse ce week-end, quand même. Mais oui, j'ai même vu sa photo. Mais en plus, c'est une arnaque, parce que son bateau de 8 mètres, il y a tour du monde et tour du monde, elle ne peut pas faire le tour du monde avec ce bateau. C'est... Ah bon ? Oui, elle ne peut pas faire le vrai tour du monde par le Cap Horn et tout, le bateau est trop petit pour aller dans ces mers-là. Donc c'est une arnaque totale, l'histoire. Et pour ce qui est de faire le tour du monde par l'Équateur, ça l'obligerait de passer long des côtes de Somalie. On n'offrirait pas aux pirates somaliens une petite fille de 13 ans avec un bateau de 8 mètres. C'est pas assez d'argent, tout ça. Donc, il n'y a rien qui tient dans cette histoire. C'est une arnaque depuis le début. Ah non, quand même, ils nous disent qu'à 10 ans... Ils nous disent, tout ce qu'on vous dit, vous le croyez, espèce d'idiot. Mais attendez, ce demeuré radiophonique était atterrant. Ils nous disent que... À 6 ans... Excuse-moi Laurent, mais ça ouvre peut-être un autre débat, c'est que les parents sont peut-être déçus qu'elle ne soit pas partie. Voilà. C'est une autre histoire, j'ai l'impression. Elle a l'air toute mignonne. Il manquerait plus qu'elle morde, attends. Elle a traversé la Manche, elle avait 10 ans toute seule quand elle a fait la Manche la première... Oui, elle a fait la Manche à 6 ans. Attendez, il y a... Moi je connais. Il y a des petits Roumains qui font ça avant. 4 ans et demi qu'ils font aussi. Alors attendez, ça passe pas. Prenez le métro, hein, c'est. Ouais. Elle a traversé la Manche à 10 ans, voilà, à toute seule. Et sans bateau. Elle marchait sur l'eau. Ouais. Non, mais elle a eu son optimiste. Elle avait 6 ans, son premier navire. Ouais. Son optimiste. Ouais. Alors que Natacha Campouche à 18 ans, elle avait même pas encore traversé la rue. Elle. Ouais. Et ils en peuvent plus, les parents. Ouais. Non mais c'est quand même étonnant. Vous seriez père de cette jeune fille. Oui. Vous seriez partir. Mais bien sûr. Bah ouais. Casse-toi. Prends ton cartable et casse-toi. Moi je me dirais, aujourd'hui t'as 13 ans, il est temps que t'ailles faire le tour du monde. Oui. Mais comment je vais faire, papa? Prends le petit bateau. Voilà. J'oblige. Non mais c'est formidable, d'autant qu'il y a un jeune gamin de 17 ans, c'est jeune aussi, qui lui vient de le faire le tour du monde. Un Britannique, Mike Perham, le plus jeune marin à avoir effectué un tour du monde à la voile en solitaire avec escale et assistance quand même. Quel âge avait-il? Pour préciser. 17 ans. Ouais. 17 ans. Mais quand il est parti
parti, il est revenu, il a 35 là. Ah la mère, ça abîme. Hein. Ouais, bon, il revient pour passer son bac. 72. Non, mais là, vous y croyez quand même à ce gamin de 17 ans qui a fait ça? Ouais, je passe mon temps à croire ce que vous dites. C'est une belle activité. Non, mais moi, je trouve ça formidable que les jeunes reprennent. Vous devriez être content que les jeunes prennent la relève comme ça. À quel âge vous aviez quand vous avez démarré sur un bateau? 60 ans. À Saint-Tropez. Ouais. Sur mon yacht à Saint-Tropez. J'avais 60 ans sur mon yacht à moteur. Avec Bénichou. Pierre, vous êtes monté? En fait, ouais. C'est Bénichou qui était mon patron. Moi, j'ai navigué. Mais moi, Tabarly m'avait dit, t'es mon numéro 2, essaye de faire de Kersauzon mon numéro 3. C'est moi qui l'ai formé. Ah, c'est vrai, mais bien sûr. Moi, je vais vous dire quelque chose de très sérieux. J'ai un voisin et un ami que j'adore en Bretagne. Il s'appelle Eugène Blanchard. Oui. Et il t'a eu comme apprenti dans la marine navale. Oui, dans la marine. Dans la marine. Oui. C'est épatant. Il n'a que du. Quand il parle d'Olivier de Kersauzon, il a les étoiles dans les yeux. Quel bon sens. Comment vous dites qu'il s'appelle? Eugène Blanchard. Eugène Blanchard. Oui. Voilà. Eugène, c'est marrant quand même. Mais quel âge tu pouvais avoir, toi, quand tu étais dans la marine nationale? En général, entre 18 et 24 ans. Olivier de Kersauzon. J'avais 19 ans. 19 ans, voilà. Vous voyez, là, c'est pas si loin, 17 ans, 13 ans, cette Hollandaise qui voulait faire le tour du monde en solitaire, les services... La Hollandaise, de toute façon, c'est une très bonne sauce pour le manger du turbo. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Dites-moi, votre fils va bien à l'école? Ah, oui. Alors passez chez eux mercredi 2 septembre, on vous offre une boîte d'échantillons goûter, et c'est parfait pour le petit creux de 4 heures. Ah bah, merci pour l'info, hein. Et le goûter, vous le gardez pas pour vous, hein. Non. Je vous connais. Hein. Offre non cumulable réservée aux clients carte U à partir de 40 euros d'achat, hors presse, livre, carburant et gaz, dont 4 produits goûter au rayon épicerie, voire conditions dans les magasins U participants. Comptez sur nous pour vous faire dépenser moins. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, bougez plus. Paul a une voiture, mais pour aller travailler, il préfère les transports en commun. Pour son assureur, il doit payer le même prix que les autres. Mais c'est pas normal, ça. Dans une autre vie, Paul est assuré à la GMF. Et pour aller travailler, il préfère les transports en commun. Il paye son assurance auto 10% moins cher. Là, c'est vraiment sympa. Parce qu'à la GMF, quand on roule moins, on paye moins. Assurément gagnant avec la GMF. Offre valable sur simple présentation d'une carte annuelle de transport, voire conditions en agence GMF ou sur gmf.fr. Netto. Votre ordinateur aussi a besoin de matériel tout neuf. Alors du 1er au 5 septembre, les petits prix Netto vous proposent l'écran TFT 19 pouces Acer garanti 2 ans à 79,90€. Filez vite chez Netto. Netto. Hard discount pour de vrai. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des magasins participants sur netto.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Qu'est-ce que le maire de New York n'a pas voulu voir dans Central Park? La tombe du colonel Kadhafi. Ah, bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, le maire de New York, monsieur Michael Bloomberg, a refusé que le colonel Kadhafi plante sa tente bédouine dans Central Park. C'est ce qu'il avait demandé pour la future assemblée générale de l'ONU. Vous savez qu'il l'avait fait près de l'Elysée, mais... Ah oui. Oui. On dit pas planter sa tente, on dit avoir un rapport avec son ami. C'était dans Greenwich Village, ouais. C'est vrai. Mais quand même, c'est pas sympa, parce que Central Park, c'est grand. Ils pouvaient me donner une... Il est trop bête. Et la tente, elle est moche, quand même. Donc, Il est trop bête, tu me fais rire, là. Mais elle est amoureuse. Ah, parce que c'était pas Olivier. Une fiche. Ouais. Non. Je le vois à tes yeux. T'as les yeux qui frisent. J'ai baissé le rideau. Putain. Oh, justement, une petite tringle de temps en temps. Il n'y a pas encore le rideau automatique en plus, hein. C'est tout à la manivelle, hein. En tout cas, elle a peut-être baissé le rideau, mais c'est pas le Virgin Megastore. Bon, dis donc, Olivier, tu serais gentil de ne pas rire. Non, mais c'est dégueulasse. Vous êtes dégoulinant. Vous manquez le respect aux vieilles dames. Pas du tout. Si. On sait bien que de temps en temps, Claude, ça vous tenterait encore. Vous nous l'avez dit ici. Quoi? Vous avez dit avec un homme de couleur, ça vous plairait beaucoup. Ah non.
Oui. Tu te trompes, pas maintenant. J'ai regretté dans toute ma vie de n'avoir jamais été avec un homme de couleur. Oui, ben t'inquiète pas, Fabrice Eboué revient bientôt. Hein. Et puis il est chaud. Hein. C'est con, mais comme ça, c'est jamais passé. Je le regrette. C'est, pas, c'est pas maintenant que je voudrais avoir une histoire. Pas trop tard. Mais non. Arrête. On sait jamais. Oh, t'es fraîche comme tout. Non, quelle horreur. Regardez, Bongo, il veut bien maintenant. Bon alors dites, en tout cas c'est quand même fou que nous les Français on ait accepté que Kadhafi, il était quand même dans le 8e arrondissement de Paris quand il a planté sa tente. Vous savez où il a planté sa tente? C'est à Marigny, non? Dans l'hôtel particulier que les Rothschild possédaient, avenue Marigny, et dont ils ont fait don à l'État. Il est allé planter sa tente de bédouin chez les Rothschild. Oui, mais nous avons vu parce qu'il a dit que c'était une quechua, tu sais, la minute là que tu jettes tout comme ça. Et c'était vite fait, tu vois. Le maire de New York, lui, il s'est pas laissé faire. Il a dit pas de ça dans Central Park. On va pas se dégonfler avec des mecs comme ça. Bon, en même temps, bon, c'était pas gênant, une petite tente, elle est pas. Si, il y a le service de sécurité autour et tout ça. Elle est énorme, surtout cette tente. Ah oui. Mais oui, c'est immense. Ah oui, il y a 800 mètres carrés. C'est une mauvaise semaine pour Kadhafi parce qu'apparemment en Suisse aussi, il y a eu des histoires. Ah, c'est vrai, il fait partie des 3000. Mais non, mais il est pas français, Kadhafi. Il n'est pas français, Kadhafi. Kadhafi n'est pas français. Ah, je m'en doutais. Hein. Non, mais c'est parce qu'il dit, il fait partie des. Non, pas du tout. Son fils a eu des histoires avec la justice en Suisse. En Suisse, ouais. Non, mais écoutez, vous l'avez peut-être croisé, vous, Kadhafi, dans vos voyages, monsieur de Kersauzon. Ouais, je l'ai connu. Dans un bivouac. Ouais, à une époque, ouais. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Vous êtes allé sous sa tente de bédouin? Non, je suis resté à l'extérieur. Je vous remercie. Une autre question? Oh non, mais on doit être... Je suis sûr qu'on est très bien accueillis par le colonel. Ça doit être superbe, non? Oui, déjà, c'est toi là, prends tes aises. Vous avez... prends tes aises. Moi, j'aime beaucoup. Un peu de thé à la menthe. Ils te pétissent tous pareil. À Barbès ou sous la tente, c'est pareil. Ouais. Vous voulez que je vous mette au courant et tout ça, c'est tout. C'est super. On va faire... Non mais c'est génial, il est partout chez lui, quoi. C'est le seul mec qui se déplace avec sa maison partout. Ah ouais. Et les cacahuètes qui vont aussi. Alors écoutez, puisque vous êtes tous des grands voyageurs, nous quittons New York pour Moscou et même nous allons devant le Kremlin, puisque samedi soir, qui pourra-t-on voir devant le Kremlin à l'occasion d'un festival international de musique militaire? Patricia Cass? Non. Ça pourrait. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, bonne réponse. C'est pas l'une, c'est l'autre. De Titoff. Ah, ça, c'est énorme. C'est incroyable. Énorme. Il n'y a que là qu'elle passe au Kremlin. Ben, elle a déjà le casque. Festival international de musique. C'est vachement bien, si vous n'entend parler que des nouveautés. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, Charlotte Julien. Charlotte Julien, Mireille Mathieu, Jean-Pierre Coff. C'est pas ma faute. Oui, c'est une émission, c'est Europe, c'est vachement bien, c'est vachement jeune et tout. Non, écoutez, quand je vous parle des jeunes de 13 ou 17 ans qui font la traversée, enfin le tour du monde ils en solitaire. Ils le font pas du. Attends, ils font. Ils racontent qu'ils auraient peut-être fait. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec faire. D'accord. Je vous remercie. Bon, mais Mireille Mathieu, elle fait aussi une traversée en solitaire. Ça c'est sûr. Des années. Et c'est plus la traversée du la désert. La possibilité d'entendre le chant des baleines sur Terre. C'est incroyable. Mais c'est pas un coup à relancer la guerre froide, ça? C'est incroyable. On n'entend jamais parler d'elle, sauf quand elle chante à Moscou. Ouais. Mireille, hein. C'est un peu comme Delon au Japon, hein. C'est des grandes vedettes à l'étranger. C'est fou quand même. Après les tournées triomphales au Canada. Non, on l'avait quand même vu chanter Place de la Concorde en mai 2007, le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy. Avec Errico Macias. Mais je pense que Mireille, ce n'est pas la tasse de thé de Carla Bruni. J'imagine que deux chanteuses ne peuvent pas. Pas la moins de voix que moi, dit Carla. Non, mais c'est vrai qu'un mari qui a tellement de voix, Sarkozy, il aurait pu y enfiler une quand même à Carla. Bon, alors vous voulez des questions jeunes, monsieur? Oui, voilà. Non, je veux rien du tout, moi. Si, il a dit oui. Non, parce que si vous voulez des questions jeunes. C'est pas le faux témoin, toi. Qui a décidé ce week-end de ne plus voir Noël? Noël Gallagher, c'est le groupe Oasis. Ah ouais, les frères Oasis, c'est son frère, donc c'est Liam. Liam, ah, c'est moi qui l'ai dit. Bonne réponse d'Elsa Fayette. Elle a dit Liam Gallagher. C'est Claude. Non mais je veux même. Attention, t'énerve pas trop non plus. Je suis trop énervé même pour pouvoir parler. Une fois c'est Olivier. Trop vénère. Après c'est la petite. C'est jamais moi. Attention, il y a la cadenas qui va péter.
elle va sortir un cran d'arrêt dans deux secondes, elle va vous planter. Claude, vous connaissez pas le groupe des frères Gallagher? Bien sûr, c'est Oasis. Oasis, ouais. Ça alors. Ils se sont disputés. Je croyais que c'était le groupe des frères Kadhafi, Oasis. Bah oui, ils ont pas de bol dans ce festival. Non, l'année dernière, il y a Amy Winehouse, la copine de boisson de Claude Sarraute, qui a annulé au dernier moment le festival Rock en scène. Mais ils sont ambitieux quand même, parce qu'ils vont quand même chercher de sacrés artistes. C'est qui vrai que les frères Gallagher, ils ont rarement l'occasion de se produire dans ce genre de festival. Et pareil pour Amy Winehouse. Bon, c'est toujours des ratés. Bah, ils ont rarement l'occasion de se produire. Ils viennent pas. Alors ça, c'est sûr qu'ils ont rarement. Mais ils sont programmés. Enfin, mais en tout cas, ça a été très fréquenté. C'était le départ de la nouvelle tournée. Là, ils sont venus en même temps. Hein. Va jamais ils sont venus, mais ils se sont cassés la gueule à coups de guitare. Hein, ouais. Disque, oui, ouais. Pareil, sur scène. Hein. Non, parce que dans la loge. Un, il avait la guitare et l'autre, il était à la batterie. On s'en fout. Pourquoi? Bah, mais alors, tu nous fais trouver. C'est moi qui ai trouvé, naturellement, t'as donné la réponse aux autres. Et maintenant, on passe à autre chose. Parce que je sais même pas de qui vous parlez. Il se casse sa gueule à coups de guitare. Sur la scène, en coulisses, la barbe. Bon, on passe à autre chose. Non, le problème, c'est qu'il y en a un qui était batteur. Ah, donc, il lui a dit, si tu continues à me faire chier, qu'à la guerre, hein. D'autres questions, on passera à autre chose. Claude, c'est promis, mais ce sera après le flash de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission jusqu'à 18h30, toujours avec Claude Sarraute, Elsa Fayer, Titoff, Jérémy Michalak, Olivier de Kersozo et Pierre Bénichou. Et bien sûr, deux auditeurs, c'est le deuxième challenge du jour. Ludivine et Daniel patientent depuis quelques minutes au standard. Bonjour Ludivine. Bonjour. Vous êtes à Besançon dans le Doubs. Exactement. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ludivine? Je suis enseignante. Enseignante, vous enseignez quoi? Je suis dans le primaire. Ah, dans le primaire, donc vous êtes instite en fait. Oui, non. Je suis instite. Professeur des écoles, on dit. Oui, pardon. Et nous avons changé de grade. Quel âge ont les gamins dont vous vous occupez? 2 ans. 6 ans, 7 ans. Bon, ça va, ils sont encore sages à cet âge-là. Oui, ça va. Bon. Daniel, ça va, c'est pas sûr. Et donc, on sent que les vacances, on fait du bien, là. Ça va, je reprends dans 3 jours. Ouais, je suis très heureuse. Daniel est à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Bonjour, Daniel. Absolument, bonjour, Laurent. Oui, et vous faites quoi, Daniel? Malheureusement, je suis en recherche d'emploi. Ah, et vous recherchez quoi comme emploi? Eh bien, à la base, je suis juriste, mais je prends n'importe quoi. Donc, si vous recherchez un chroniqueur... À la France de la crise. Si vous recherchez un chroniqueur, je suis disponible. Je peux être jardinier, cosmonaute ou mannequin, comme vous voulez. Jardinier, cosmonaute, j'aurais du mal. Mannequin, c'est arrivé, mais... Ah, dites donc, vous êtes plutôt beau mec, alors. Oui. Ah, ça c'est. Bonjour, beau gosse. Pardon. Ça c'est Elsa Fayer. Non, non, c'était Claude Sarraute. Il est fait du charme. Nous aussi, on se trompe souvent. Daniel Ludivine, voici la question. Où Lionel Jospin était-il hier dimanche à 17h? Au tennis? Non. À la piscine. À l'île de Ré, non. À la piscine, non. Non. À 17h. Alors que. Alors, effectivement, il n'était pas à La Rochelle, aux universités d'été du PS, menées par Martine Aubry. Ça, c'est sûr, il n'y était pas. En tout cas, pas hier à 17h, puisqu'il était. Au théâtre. Non. C'est politique, c'est. Ce n'est pas politique. Ah. Et je faisais un déjeuner un peu. Tardif. Oui, à 17h, oui. Il était allé goûter. Hier, on était dimanche. Je vois pas pourquoi ce serait dans les journaux, on nous dirait, j'ose pas faire... Ah, parce qu'il n'a, comme il n'a pas... Eh ben, écoute, je suis pas si bête. C'est ce qu'ils ont dit. Comme il n'était pas... S'il n'est pas allé à La Rochelle, toi, tu te tais, ma petite fille. Elle essaye de gagner, Ludivine. Oui, bon, bah alors d'accord. Mais enfin, c'est très, très clair. Oui, mais c'est pas ça. Comme il n'était pas... Ah bon. Bon. Il regardait Drucker à la télé. Non. C'était un événement. C'est dans Libération qu'on apprend que Lionel Jospin était présent, mais où ça? Ah. À 17h. En France? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En France. Ah, au match de basketball. Oui. France contre la Belgique. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
je dis ça sans le savoir parce que je sais que Jospin est un fou de basket. Et voilà. Exactement. Et d'ailleurs, l'article de Libération commence par « On a cru un instant que la présence de Lionel Jospin dans les arènes paloises, puisque c'était à Pau, allait leur porter la scoumoun. » Ça fait toujours plaisir. Mais non, les Bleus ont écrasé les Belges 92 à 54. C'était le match retour qui permet donc aux Belges de se... aux Français. Laurent, de... vous permettez ? Oui. Oui, donc c'est Daniel. Je voudrais juste. C'est vrai qu'à un instant on a cru que c'était Ludivine. Donc... Il y a intérêt à ce que ce soit important pour m'avoir coupé comme ça, Daniel. Mais oui, pour vous avoir interrompu, je voudrais juste dire l'amour que j'ai pour Claude Sarotte, que je trouve mais absolument fabuleuse. Oh, putain, il est vraiment dans la merde. Il est en galère. Hein. Ah non, mais elle est vraiment Claude, je vous aime, mais vous êtes à la fois la femme, la mère et la grand-mère que j'aurais aimé avoir. T'entends un peu comme tout, et voilà, je suis l'un de vos fans. Qu'est-ce que vous dites, Pierre ? Je dis que c'est un bel hommage. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. On a pas compris ça. Je veux savoir ce que vous étiez en train de dire. Monsieur de Kersauzon, vous êtes prié de me répéter ce que monsieur Bénichou a dit. Non mais attends, il va me menacer le Freluquet là. C'est la poilade. C'est pas Laurent Freluquet, c'est Ruquier, monsieur de Kersauzon. Monsieur de Kersauzon a cessé la délation depuis 1944. Bah oui. On est plus sous Vichy. Bon, non mais si vous vous marrez entre vous tous les deux, alors surtout qu'il s'agit de moi. Alors. Pas du tout. En tout cas, vraiment, Claude, vous êtes magnifique. Pardon, voilà. C'est qui ? Vous c'est êtes bien intelligente et voilà. On a et compris, on... Daniel, oui. Merci, mon cœur. Mais quand même, j'aurais bien voulu savoir ce que Bénichou et Kersauzon se sont dit. Hein, parce que là, à mon avis, c'était pas très sympathique. Vous êtes plusieurs à vous demander ce qu'on peut se dire. Vous allez savoir ce qu'ils disent. Mais il va se taire, lui, ou je crois qu'il veut être chroniqueur, Laurent. Daniel Ludivine, en tout cas, c'est perdu. On est désolé pour vous. Vous retenterez votre chance une prochaine fois en vous inscrivant évidemment sur le site internet ruquier@europe1.fr. Je rappelle que si vous voulez assister à l'émission, il faut appeler le 39 21. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions toutes neuves. Europe 1 Matin, votre premier rendez-vous 100% info. Marc-Olivier Fogiel. Europe 1 Matin, cette saison, vous le savez, ça démarre donc plus tôt, dès 6h30, mais Europe 1 Matin, c'est toujours la matinale qui fait l'actualité. Europe 1 Matin. C'est un document que vous allez pouvoir écouter ce matin sur Europe 1. Pas de contrat, un salaire payé au lance-pierre. Tous les jours, donc immersion au cœur de la jungle politique. Votre matinale info, c'est Europe 1 Matin, avec Marc-Olivier Fogiel. Du lundi au vendredi sur Europe 1, bien entendu. En faisant votre contrôle technique chez AutoSUR, vous bénéficiez gratuitement pendant 2 ans de l'assistance super sûre en cas de crevaison, panne d'essence, accident, retrait de points. Alors faites votre contrôle technique chez AutoSUR. Conditions générales et liste des centres participants disponibles sur autosur.com. Jean-Pierre Coff dit du bien de Leader Price. Non mais où va-t-on? Non mais quel scandale, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Eh bien oui, je dis du bien de ceux qui font un effort vers la qualité et je les aide. Je les aide à choisir les producteurs, les produits, les terroirs pour que le moins cher devienne bon et pour que le bon devienne moins cher. Leader Price, le goût de vivre moins cher. Allez-y les enfants, allez-y! MAF Assurance, bonjour. Oui, alors j'ai entendu une information, mais j'ai dû me tromper. Donc, malgré la conjoncture, vos tarifs auto vont augmenter, bien sûr. Depuis 5 ans, MAF n'a pas augmenté ses tarifs auto. Ben, depuis 5 ans, ben oui, mais en 2010. En 2010, vous les augmenterez, n'est-ce pas? Mais non, justement. Nos tarifs auto n'augmenteront pas non plus en 2010. Ah, alors c'est vrai, pas d'augmentation non plus en 2010? Eh bien, Miss MAF, j'ai quelque chose d'important à vous dire, moi aussi. Mon estime pour vous a augmenté depuis 5 ans et augmentera fortement en 2010. C'est la MAF. Offre soumise à condition. Europe 1, on va se gêner. La question, Bernard Madoff. Si tu réponds bien, tu peux piquer le salaire de Bénichou. Ah, il y a une grosse somme en jeu, donc. Alvaro Uribe, le président colombien, ne sort pas de son palais présidentiel de Bogota. Pour quelle raison? Parce qu'il a attrapé la grippe A. Il a la grippe A. Il a la grippe A. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il a la colombie dans les narines.
J'aurais pu lui piquer son salaire. Ouais, là. C'est ça. S'il a le nez qui coule, c'est pas forcément la grippe en Colombie. Ouais. Hein. Bah, en tout cas, manifestement, c'est fou. Même un président, vous voyez, peut avoir. C'est terrible ce genre de choses. Hein. Ouais. On n'est plus protégé. Hein. Ça veut dire t'as que t'as beau avoir du pognon, des fois tu peux mourir. Hein. Dans le temps, les maladies étaient réservées aux pauvres. Oui. Souviens-toi de la tuberculose. Bah, oui, c'était quand même beaucoup plus facile. Et oui. Même dans le 7e arrondissement, on peut attraper la grippe. Ah, non. Enfin, presque. Non, dans le 7e, non, parce que comme tu croises jamais personne. On risque pas de te postillonner dessus. Vous avez vu d'ailleurs quand même, c'est assez fou hein, les conseils qu'on nous donne pour ne pas attraper la grippe. Ah, il paraît qu'il y a un spot qui est prêt, qui sera diffusé au cas où vraiment il y aurait une forte pandémie. On ne devra plus approcher quelqu'un sur un trottoir. Enfin, il faudra toujours marcher à 2 mètres d'une autre personne. Une distance de sécurité. Et le spot est prêt. C'est la première fois. Les putes ont commandé des tonnes d'hygiaphones. Il y a des barrières de sécurité maintenant. Ouais, c'est assez... Alors, il paraît que Mme Bachelot, qui était partie à la Réunion pour voir un petit peu comment quelle ça se... Quelle est la liaison Elle s'occupe de la grippe A. Et il paraît qu'elle était enrhumée. C'était écrit dans... Ah, oui, alors, je me dis, tiens, peut-être qu'elle aussi, elle la couve, finalement, la grippe A. C'est quand même assez inquiétant, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu tous les conseils du Parisien aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur la grippe A. Il y aura beaucoup de malades dès le mois de septembre, on nous dit. Ça y est, après-demain, ça commence. Après-demain. 20 à 50% de personnes, ils disent, je crois. 20 à 50% de Français. Ouais. Grippe en septembre, enterrement en octobre. Non, mais ça vous fout pas la trouille, vous, Claude. Ah, moi, j'ai pas question que je me vaccine. Pas question. Parce que moi, à chaque fois qu'on m'a vacciné. Non, puis t'es pas enceinte, t'as pas de risque. Attends, je suis une personne très âgée. Mais justement. Oui, mais justement, c'est. Tu risques rien. Les micros, ils veulent pas des vieux. Mais non, il a raison, Olivier de Kersauzon. C'est des microbes qui se jettent que sur les jeunes, les femmes enceintes et tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que ce microbe, dans le fond, est pas mal. Les plus âgés de 65 ans et plus semblent relativement épargnés par ce nouveau virus. Non, il faut se faire vacciner pour le poumon. Pas faire comme la grippe, mais pour prendre des vaccins ou des médicaments qui peuvent fortifier le poumon. Puisque, en fait, la seule véritable risque, c'est que les poumons soient touchés. C'est un médecin qui m'a dit ça. Enfin, pas vraiment un médecin, c'est un coiffeur. Mais il connaît bien. Il a un cousin qui est docteur et tout, il m'a dit. En revanche, se laver les mains souvent, ça marche à quoi vraiment. Ça sert, se laver les mains. T'enlèves les bactéries. T'enlèves les bactéries parce que quand tu te grattes les poumons. C'est surtout si pour les gens qui éternuent. Tu t'affectes le poumon. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Hein, attention, se laver les mains plusieurs fois par jour pendant 30 secondes avec du savon ou du gel hydroalcoolique, sans oublier d'aérer les pièces, de tousser dans le creux de son coude. Et surtout éviter les bises, les poignées de main. Enfin bon, moi ça m'arrange parce que de toute façon je suis pas. T'es pas tactile comme tu dis toi. Non. Touche pas lui. Moi je touche pas. Donc la grippe A, à mon avis, je vais y échapper. Mais vous, Claude, alors? Ah ouais, moi c'est terrible. J'adore, je touche partout. Toi qui arrêtes pas de rouler des ailes. Pas partout, mais je touche beaucoup. Alors, quand je le fais avec Laurent, un jour je lui ferai un arrêt cardiaque. Je lui pose la main sur le bras, il me fait. Je suis horrifié. Eh ben, oui, je suis toujours surpris que vous soyez vivante. Hein. Je vous emmène à Cheny-Ménil, dans les Vosges. Sympa. Il y a eu un incendie à Cheny-Ménil. Vous me direz, bon, jusque-là, rien d'original. Bah si je vous en parle, c'est que cet incendie est assez original. Pour quelle raison nous parle-t-on dans la presse d'un incendie qui a eu lieu à Cheny-Ménil, dans les Vosges? C'est chez quelqu'un de connu? Non. C'est forêt. C'est un chenil. Il y avait des chiens qui ont été brûlés. Chenil-Ménil. C'est la ville. C'est un chenil. On aurait fait des hot dogs. Non, c'est que le feu a eu une cause qui n'est pas une cause habituelle d'incendie. À l'origine de l'incendie reste indéterminée, comme on dit dans ces cas-là chez les journalistes. C'est quelqu'un qui a mis le feu, naturellement. Non, on s'en sait pas comment le feu est venu. On s'en fout. C'est quelque chose qui a brûlé. C'est plutôt où le feu a eu lieu et ce qui a brûlé qui est intéressant. La caserne de pompiers? La caserne des pompiers. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, qu'il est fort. Un incendie s'est déclaré samedi soir à la caserne des pompiers. 3 véhicules de secours ont été brûlés et le toit abritant la caserne s'est effondré. Aucun pompier ne se trouvait dans la caserne au moment du sinistre. L'origine de l'incendie reste indéterminée. Qu'est-ce qui vous fait marrer? C'est bien exactement le genre de truc. Tu mets ça dans un scénario et le producteur, tu dis quelle mauvaise idée. Être un incendie dans la caserne des pompiers, tout le monde s'y attend. Et ça arrive quand même dans les Vosges. Eh ben oui. Ils sont forts, les salopards. Si je vous dis que
Rio de Janeiro arrive devant Barcelone, Buenos Aires, Londres, Montréal et Sydney dans ce classement. De quel classement s'agit-il? La pollution. De polluer? Non, la pollution, il y aurait Athènes. Délinquance? Non. Rio de Janeiro devant Barcelone, Buenos Aires, Londres, Montréal et Sydney. Ça a un rapport avec le sexe? Oui. Les homosexuels. Ah, ça, où ça baisse le plus? Il y a le plus d'homosexuels. Où il y a le plus de rapports sexuels? De trans. Attendez. Trans... D'homosexuels. C'est-à-dire? C'est les villes où il y a le plus de d'homosexuels. Alors, ou de relations. Je sais pas s'il y a le plus d'homosexuels, mais c'est. Travesti. C'est là la ville. C'est les destinations préférées des homosexuels pour les vacances. Les meilleures destinations. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette réponse. On me l'a soufflé dans le public. Les meilleures destinations gays. Bonne réponse de Joujou. C'était où cet été? Ailleurs. Et à San Francisco. Avec les vieux. C'est démodé, quoi. Rio, bon, Rio, on s'en doutait un peu. Ouais. Londres, bon, pourquoi pas. Montréal, alors ça, je savais pas. Non. Montréal. Non, bon. Mais... dis donc, on y est allé, on n'a rien vu. Non mais, qu'est-ce que ça peut nous, en quoi ça peut nous intéresser? Parle-en à Joujou, laisse-moi être tranquille. Ah bah écoutez, les meilleures destinations gays. Ah bah ouais, ça me passionne. On dit, il vous voit fréquenter parfois des lieux le soir un peu gays. Je dois dire. Il y a des moments où je me connais plus. Je suis désolé. Je vous ai déjà vu parfois. On vous appelle Pierrette dans certains endroits, Pierre. Jamais. Oh arrête. Poupoune. Même moi, j'en suis gêné quand je vous vois. Alors, c'est vrai? Ah oui, vraiment, Pierre. Donc vous n'allez pas me faire là. Il est gêné parce qu'on avait la même robe l'autre jour. Non, franchement, vous n'allez pas me faire l'effarouché parce que je vous parle des meilleurs. Ah oui, mais c'est pas. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Et Montréal, alors, tiens, je ne sais pas. Passionnant. C'est dans France Soir, voilà. Non, tu crois pas? Non, mais sérieusement. C'est le site internet de tourisme. Comme les vieux couples, on a un invité. Alors, il y a monsieur Olivier qui est venu dîner. Enfin, sois gentil. Il découvre pas, il a déjà vu des homosexuels, j'imagine, quand même. Ah, non. Plus souvent qu'à son tour. Voilà. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Tripout Gay Travel. Tripout Gay. Tripot Gay Travel. Et voilà, il vous donne la liste des destinations gay friendly, voilà, accueillantes pour les homosexuels. Mykonos, tout ça, c'est terminé. Mykonos, c'est fini. Maintenant, c'est Montréal et Sydney. J'ai fait une fois un voyage où j'ai regardé sur Internet à Séville, justement, l'hiver dernier. Et on m'a dit, regarde sur Internet. Moi, je sais pas, il y a un copain qui faisait marcher Internet. D'ailleurs, les voyages sur Internet, ils te donnent pas du pognon, hein. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu vas dans une agence. Le voyage te coûte 1 500 €. Avec un hôtel. Là-bas, ça coûte 300 € sur Internet. Bon. Ouais. Et dans tous les hôtels, ils te montrent la photo de l'hôtel et il y a écrit gay welcome. Ah oui. Ah bah voyez alors vous. C'est-à-dire ici on accepte les pèdes. Non mais ça va pas. Non mais sérieusement. Et tu veux amener tes gosses là-dedans? Tu vois pas que j'amène l'air Erwan là-bas puis qu'ils prennent des manières. Bon, et finalement tu as trouvé un petit hôtel de charme ou pas? Oui, j'ai trouvé un truc avec Pierre. On est allé chez un ami après Bricoin. Pierre, vous êtes gay-friendly, vous aussi. Alors, mais bien sûr. Vous faites pas plus réac que vous n'êtes. Moi, avec un petit billet, je fais n'importe quoi, moi. Allez, d'autres questions dans un instant. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Claude Sarraud, Titoff, Elsa Fayère et Olivier de Kersauzon. Attention, vous savez qu'il y avait des élections au Gabon ce week-end et ma question c'est où Ali Bongo, qui est un des candidats, le fils du précédent président, pardon, où Ali Bongo a-t-il voté au Gabon? Oh, comment ça, où? Quoi? À Tababoubou.
Qu'est-ce que c'est quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte quoi, c'est où un, c'est son village. Mais non, justement, ben, vous pouvez. Non, ben, je vous demande pas la, géo... la carte entière et le, toutes, tous les noms de villes du Gabon. C'est si... pourtant la seule qui peut dans cette maison qui peut citer toutes les villes du Gabon. Bah, vas-y, chérie. Non, mais déjà, vous auriez pu me dire le nom de la capitale, peut-être. Je vous demande où. Freetown. Mais non, mais enfin, le nom de la capitale du Gabon, quand même. Gabon. Non. Comment ça peut... Tu sais ça, Olivier. Bien sûr. Tout le monde sait que c'est Jakarta. Ah bah alors là, si évidemment, alors autour de cette table, moi, je pensais qu'il y avait un grand voyage. Libreville. Libreville. Ah. Ah, c'est pour ça que j'ai dit Freetown. Alors là, mais c'est... Ah ouais, pas... Si tu congèles l'anglais. Ouais. Voilà. Il a raison. Hein. Il se trouve de toute façon, Pierre. Yes. Il se trouve que de toute façon, c'est ni Libreville ni Freetown parce qu'il n'a. Neither one, neither the other. Parce qu'il n'a pas voté à Libreville. Ma question reste donc valable. C'est ce que j'ai dit. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est trouvable, ah, donc, évidemment, donc où c'est... il a voté. Ali Bongo. Donc c'était pas au Gabon, il était ailleurs. Si, c'est au Gabon, c'est une ville du Gabon. Qui a le nom d'une ville qu'on connaît bien. Ça s'appelle Obama. Non, mais si je vous pose la question, réfléchissez bien, c'est parce que le nom est trouvable. Ah, Gabon City, Bongo City. Donc Bongo. Bongoville. Bongoville. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Allez. Bongoville, c'est en Normandie, c'est près entre Flamanville, Herqueville, Beuzeville, Enfilville. Ça a jamais été c'est au... C'est Bongoville. Ça n'a jamais été... C'est au sud-est du Gabon, Bongoville. Ils ont même une ville à leur nom, la famille, bien sûr. La famille c'est Bongo. Génial. C'est normal. Le nom du Neuilly. Neuilly. Mais c'est génial quand même. De Gaulle, il avait un pays à son nom. Ouais. C'est vrai, remarquez. Mais là, il y a une ville qui s'appelle... On a marre de se moquer des Africains, toujours. Mais je me moque pas des Africains. Comment je suis Africain, moi. Ah oui. Ah ouais. Je fais semblant de parler, mais je suis Africain. Non, t'es cousin. Vous êtes Gabonais aussi, vous, alors. Je ne suis pas vraiment Gabonais, mais... Le pour les lettres. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. En tout cas, on l'a surnommé longtemps Monsieur Fils, puisque c'est le fils de... Du père. Attention, par rapport aux villes et le tourisme, les gays vont dans quelle ville? Il n'y a pas de thé à la fin, tout va bien. Je Monsieur pas... Père, c'est si Freddy. Non, mais en tout cas, Bongoville est une ville qui existe au Gabon, et c'est là où Ali... Une très belle ville. Ah oui, vous connaissez? Bien sûr, oui. Très belle ville. Avec des trottoirs. Et puis une place centrale qui est de beauté. Il y a des magasins. Il y a des magasins aussi, ouais, monsieur. Là-bas, c'est des shops. On parle légèrement quand on parle de commerce en Afrique. C'est des shops. Hein. C'est très beau, Bongoville. En tout cas. Et la périphérie, le périphérique de Bongoville est ravissant. Il y a une charcuterie qui fait en même temps entraînement de cosmonautes. Et danseur mondain au centre de Bongoville, qui est d'une beauté extraordinaire. Ça c'est du génie quand même. Mais vous n'êtes jamais allé à Bongoville. Jamais. Je suis allé avec. C'est même la dernière fois. Je me souviens ce trottoir de Bongoville où mon père m'a dit « Couche, je te quitte ». Alors non, là vous dites. Vous savez, je vais vous péter la gueule. C'est la troisième fois que je vous le dis, mais la quatrième fois que je le fais. Apportez-moi des preuves que vous êtes allé à Bongoville. Écoutez, si mon père était là, mais comme on s'est quitté là, donc il peut pas témoigner. Mais si mon père était là, on était sur le trottoir de Bongoville, il m'a dit, écoute, on se quitte, je ne veux plus jamais que tu me suives. Je suis ému en même temps de ce que vous me racontez. Et vous savez, quand on entend la voix de son père dans les échos de ces murs blanchis, hein, et qu'il y a le ciel d'Afrique qui est silencieux dans la nuit, et que vous savez que c'est quelqu'un va vous abandonner pour toujours, et vous êtes là dans votre ridicule petit berceau sans roulette. Et même pas étanche comme Moïse. Et qu'il faut vous démerder, bah c'est quelque chose. C'est Bongoville, moi j'ai vécu à Bongoville vachement dur. Mais que vous pouvez même pas soupçonner. Vous n'êtes intéressé que par les destinations de voyage gays. Eh bien. À Bongoville, il y a une destination gay, mais on peut pas revenir. Il y a que l'aller. Non, je pensais pas, pardon, je voulais pas... Évidemment, non, mais vous savez... Je voulais pas remuer des souvenirs difficiles. C'est facile de faire du chagrin à autrui, lorsqu'on est un peu égoïste comme vous, narcissique et tout. Non, mais non. Moi, j'ai l'air brutal, mais... Je vous prie d'accepter mes excuses. Oui, un petit peu d'argent aussi. Allez, on se retrouve dans un instant. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge Liado. Olivier Kersauzon ne connaît pas encore votre rubrique musicale, mais on va lui expliquer que vous chassez les ressemblances, ceux qui trichent, les chanteurs qui ont copié d'autres chanteurs. Et, et justement, vous êtes intéressé aujourd'hui au groupe Oasis, ceux qui se sont foutus sur la gueule ce week-end, les frères Gallagher. Et vous nous rappelez quand même que le groupe Oasis a beaucoup pompé, si j'ose dire, les Beatles. Oui, d'ailleurs, même leur séparation ressemble un peu à celle des Beatles dans la douleur. Alors, Noël Gallagher, c'est lui qui compose les chansons, et Liam, c'était lui qui les chantait. Noël Gallagher, c'est un mec qui avait trouvé le truc pour avoir des petites images qui rappellent toujours quelque chose aux auditeurs, une petite réminiscence, et c'est pour ça qu'il avait un peu la clé du succès. On s'aperçoit là, on va faire un petit assortiment de trois chansons. Trois comparaisons. Une chanson qui s'appelle The Turning, qui a été enregistrée dans le dernier album d'Oasis, 2008. Et ça, c'est très nettement inspiré d'un succès de Cliff Richard, Devil Woman, qui date de 1976. Il y a une chanson qui ressemble à une pub Coca-Cola, c'est la deuxième qu'on entendra. Exactement. Et puis, la troisième? Alors, elle ressemble à un truc archi connu de Stevie Wonder. Uptight, c'était chanté par Johnny Hallyday. En 66, c'était Les coups à quand il vous arrive. Cliff Richard, une pub Coca-Cola et une chanson de Johnny, tout ça copié par les frères Gallagher pour le groupe Oasis, vérifions. Cliff Richard. I've had nothing but bad luck since the day I saw the cat at my door. Oasis. Dealing with the numbers, money to dream from the same old song. Ancienne publicité Coca-Cola. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. Oasis. Like to be somebody else and not know where I've been. Stevie Wonder. Baby, everything is alright. I'm tight, out of sight. Baby, everything is alright. I'm tight, out of sight. Oasis. Serge, pour le dernier, on est d'accord, mais pour les autres, c'est pas sûr. Hein. C'est plus subtil. C'est subtil au point qu'on n'est pas reconnu les chansons. Ouais. Je veux dire. C'est vrai que parfois la musique, ça ressemble à de la musique. Quoi. C'est souvent la musique, c'est souvent fait avec des notes. Souvent. C'est vrai. Je veux dire. Et c'est intéressant de conclure ce sujet là-dessus. Peut-être vous n'avez pas l'oreille musicale, monsieur de Kersauzon. Non, je n'ai pas l'oreille musicale du tout. Jamais vous n'emmenez de musique. Je ne peux pas tout avoir. Je n'ai jamais même écouté volontairement de musique de ma vie. Oh putain, on est mal barré. Pourtant, j'imagine qu'il y a bien un hymne ou une musique nationale à Gabonville ou à Bongoville. Non, attendez, si vous continuez à me chercher sur un passé douloureux et une enfance que j'essaie d'étouffer avec près d'un demi-siècle d'héroïsme, je vous laisserai pas continuer. Mais non, moi je suis pas musicien du tout, je n'ai pas. Bon bah Serge, vous revenez demain avec peut-être des choses plus évidentes, on va dire. Oui, on va essayer. Oui, vous des sketchs. Non, plutôt des choses évidentes. À demain, Serge. Ouais. Merci, Serge Liado. Magnifique. Là, je vous emmène à Mâcon, dans le centre-ville de Mâcon. Et jumelé avec Bongoville. Dans le quart d'heure qui va suivre. Attends, c'est formidable. Il y a un huissier qui est venu saisir du mobilier dans un appartement du centre-ville de Mâcon. Il s'est fait ouvrir la porte de cet appartement, l'huissier, et qu'a-t-il découvert? Le berceau de Kersauzon. La mairie de Bongoville avait donné à la mairie de Mâcon. Non. Un lion. Un animal féroce. Un lion. Qu'est-ce qu'un lion foutrait dans l'appartement du centre-ville? Quand t'as un huissier qui va venir te prendre. Une vieille dame dans les toilettes, elle était dans les toilettes depuis trois ans. Elle prenait de la drogue. Depuis deux ans, trois ans. Oui. Bonne réponse de Claude Sarron. Vous auriez pu préciser, Claude, que la vieille dame était morte depuis trois ans. Si tu restes au chiotte plus d'un an, c'est que t'es mort. C'est pas possible. Et alors, ils ont quand même effectué la saisie ou pas? D'après l'autopsie, il en a chié.
c'est une horreur. Elle était momifiée, je crois. Elle était momifiée. Ça faisait 3 ans et demi. Mais avec quoi? Avec quelle marque de papier cul? Du Lotus. Du Lotus. Ça faisait 3 ans et demi qu'elle était sur les toilettes de son appartement sans que personne s'en soit aperçu. Il y a bien des gens qui de temps en temps tapent à la porte en disant c'est occupé. Non mais c'est fou cette histoire. C'est assez terrible. Ça montre la solitude. Voilà. C'est la solitude moderne. Moi j'irais pas à Mâcon si c'est pour voir que les gens sont indifférents là-bas. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez gentil avec moi, parce que voilà ce qui arrive aux vieilles dames. Comment ça, Claude? Eh ben voilà, si vous n'êtes pas très gentil. Tu vas quand même pas te faire enterrer par Jacob de la Font, toi, non? Bon, de toute façon, vous n'allez plus aux toilettes, vous faites sur vous maintenant directement. Oh si tu savais la vérité. Le magasin est fermé, t'as dit. Pardon, Claude, ça m'a échappé. Mais ce serait plus prudent. Mais non. Faudrait qu'on mette une aise. Allez, remets-lui une couche. Justement, c'est ça. Ah oui. Non, je porte pas encore de couche. Oh, ah, c'est dommage. Non. Parce qu'on aurait pu en demander comme un autographe. Depuis que je suis obligée de marcher. Ah. Écoutez-moi, je suis obligée de marcher 30 à 40 minutes par jour ou à grimper. Oui. Mais 5 étages si je veux éviter le sort de cette dame. Pourquoi? Je comprends pas. Parce que c'est mes muscles fondent. J'ai plus de muscles. Tu vas faire pipi dans la rue. Je peux pas aller de mon lit au siège des toilettes. Et alors, vous faites comment, alors? Eh ben, je te dis, je grimpe mes 5 étages, et je marche 30 à 40 minutes par jour, et toutes les vieilles dames doivent faire comme moi. J'ai pas tout compris. Non, parce qu'elle se muscle, elle s'entretient, c'est ce qu'elle essayait de nous dire. Voilà, elle est très coquette. En tout cas, faites attention, parce que c'est vrai, manifestement, on peut rester longtemps. Quand on n'a pas de famille, c'est pas votre cas, Claude. Quoiqu'elle avait des enfants, qui ont été contactés par la police, mais bon, ils ont dit qu'ils n'avaient plus aucun contact avec leur mère. Ah, bah là, c'est le cas, ouais. Oui, mais elle avait pas un appartement dans l'île Saint-Louis, elle. Les voisins, parce qu'il y avait des voisins, quand même, aussi. Ah ouais, il y a pas eu d'odeur ou chose comme ça? Non, les voisins ont affirmé aux enquêteurs qu'ils pensaient qu'elle avait déménagé. Et non, elle était dans ses toilettes. En depuis. Général, c'est sec comme une biscotte, ça sent pas beaucoup, les vieux qui claquent. C'est les grassouillets bourrés qui sont gavés du hamburger, ça pue les cadavres, mais les cadavres de vieux comme ça, ça sent presque rien. C'est vrai, on dirait de l'allumette que t'aurais frotté avec de l'ail maximum. Ça. Mais elle était encore en position quand il l'a découverte. Mais peu importe, écoutez. Elle est morte debout. Elle était dans une levrette sauvage. Il y a un mec qui est mort de désespoir. Elle avait la tête dans la cuvette et se désaltérait. C'est tellement humiliant. Elle est des nôtres. Encore un petit coup, mais il y a un mec qui est coincé depuis 3 ans. Peut-être que le départ de tout ça, c'est qu'il n'y avait plus de papier. Tu vois. Méfiez-vous. Mais moi, si je vous ai parlé de cette histoire. Ouais, c'est parce que ça vous bouleverse. Mais oui. C'est bouleversant. Ça montre l'indifférence des villes de province. Ça montre au moins que les gens sont ça, que tout le monde s'en fout quand la vieille va aux chiottes. Ce qui est quand même plutôt bien. Mais quand même, 3 ans et demi, c'est tellement long, 3 ans et demi. C'est rien. Et les 15 000 morts de 2003. Comment ça? La canicule. 15 000 morts, on a été obligé de louer des halles réfrigérées où on a décroché. C'est pas nous que tu vas raconter ça. Non, mais on l'a su tout de suite. Fait une pièce. C'est vrai. Oui, une pièce excellente de Laurent Ruquier. Jouée par l'excellent Pierre Bénichoux. Formidablement interprétée par ma modeste pomme. Ah oui. C'est fantastique. Vous n'avez jamais vu Pierre Bénichoux sur scène, Olivier de Kersauzon? Il est en permanence en train d'éclairer de son talent la scène de la vie. Moi, il connaît Bénichoux. Il faut qu'il aille vous toute petite. Ouais. Quand il est débarqué de Bongoville. C'est ses parents qui nous ont accueillis. Moi, il sera ton papa. Voilà. Il nous a accueillis. Monsieur Bénichoux nous a dit voilà, vous êtes réchappé de là-bas. C'était très bien, il est très gentil. Puisque vous aimez voyager, je vous emmène à Vierzon. Oh, c'est un hôtel magnifique. Il y a l'hôtel Latitude là-bas ou pas? Non, mais il y a un cinéma à Vierzon qui s'appelle le Ciné-Lumière. Et le Ciné-Lumière de Vierzon est dans le collimateur des Américains. Pour quelle raison? Parce que c'est dans ce cinéma que sont dupliqués les films. Il y a des films qui sont piratés dedans. Parce que dans certaines, quand on distribue les copies dans des différentes régions, tous les 90 ou 100 images, on met quelque chose qui peut pas être perçu, mais qui permet d'identifier si à quel endroit c'est piraté. Et c'est grâce à ça qu'on a retrouvé que ça avait été piraté dans ce cinéma de Vierzon. Excellente réponse. Oh là là. D'Olivier de Kersauzon. Mais c'est
Ça, c'est un truc qu'on apprend en Bougonville à 3 ans et demi. À ne pas pirater des films à Vierzon. C'est fou, c'est qu'ils ont toujours pas retrouvé le type qui certainement soit avec son téléphone portable. Il est dans les chiottes là normalement. Et ça fait plusieurs fois qu'il... Parce que c'est pas un seul film, c'est plusieurs films qui ont été piratés. Et il y a même des barbouzes, enfin des espions américains qui sont venus. Alors ça c'est drôle, on nous raconte ça dans Libé ce matin. Ils avaient placé dans la salle pour l'avant-première d'un film avec John Travolta une silhouette en carton de John Travolta grandeur nature avec des trous à la place des yeux. Et ils avaient mis un mec de la répression. C'est sûr que c'est pas les Marx Brothers. Oh, les agents secrets. Ils sont venus faire les barbouzes qui étaient là. Ah ouais. Je vous jure que c'est vrai. Putain, avec, ils avaient mis un mec caché derrière les yeux de Travolta. Incroyable. Pour surveiller la salle discrètement et voir s'il n'y a pas un type qui filmait. En fait, avec la technologie qu'il y a, les caméras, les miniatures, tout ça, les mecs ils se cachent derrière un PLV, quoi, tu vois. Et il est parti avec, après il a pris l'avion avec et tout. Ah non, mais le mec a quand même réussi à pirater Spider-Man 3, pirater Yes Man, pirater le second film, le Che, de Steven Soderbergh, Valkyrie, le film avec Tom Cruise, et même Slumdog Millionnaire, c'est le même qui manifestement dans cette salle de Vierzon réussit à filmer le film dans la salle de cinéma et à le refiler sur Internet. Ensuite, voilà pourquoi les Américains ils sont colères. On les comprend, les Américains. Ah ouais. Pensez pas être piraté par un type de Vierzon. Ah ouais, c'est la honte. Quand même. Ouais. C'est assez fou comme pourquoi histoire. Pourquoi ils sont pas plus cons qu'ailleurs, Vierzon? Mais non, mais parce qu'à Vierzon, Vierzon. À mon avis, le mec il est tranquille, il est tout seul dans la salle, il peut filmer peinard quoi. Mais c'est sûrement ça, il a raison. Ouais. Bah non mais le pire c'est qu'ils sont surveillés. Ils ont soupçonné le projectionniste. Bah oui, bien sûr. Non, ah bah évidemment. Marcel. Jean, il s'appelle Jean. Jean Marcel. Jean Marcel. De Vierzon. Enfin, il s'appelle Jean, mais on l'appelle Marcel. Il a dit ça pouvait pas être moi, dit le projectionniste. Ah non. Pour plusieurs raisons, l'angle de vue ne correspondait pas à une capture depuis la cabine. Quant une capture, il voulait dire une captation. Une captation, on dit, on dit pas une capture. Quand même, il est un peu louche, le projectionniste, parce que... Oh, il a un léger strabisme, c'est tout. Non, je veux dire, c'est limite s'il prend pas la défense, quand même, de THX. Fox, c'est le nom d'emprunt du pirate, qui copie les films dans cette salle. Ils l'ont surnommé, ou c'est peut-être lui-même, d'ailleurs. C'est normal, parce que ce pauvre projectionniste dans le cinéma de merde, où il y a jamais un client, c'est la seule personne qui voyait deux fois par semaine, c'était le mec qui venait pirater, mets-toi à sa place. C'est vrai. Là, il prend sa défense. Triste. Maintenant, il n'y a plus personne, sauf 10 gros mecs du FBI déguisés en carottes cachés derrière les fauteuils. C'est d'un ridicule achevé cette histoire. Mais il y a des pirates. Qu'est-ce qu'il dit Jean ou Jean-Marcel, pardon, le projectionniste? Il dit écoutez, voilà, c'est un garçon qui finalement a envie d'insulter la société, qui a envie de faire passer un message. Je crois qu'à travers son pseudo THX Fuck, hein, Fuck, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Hein, Fuck. Voilà. THX. Il adresse un message au milieu des exploitants de salles de cinéma. Il nous dit merci les enculés qui vendaient cher les places de ciné, à mon tour de vous enfiler. Oh là. Ça c'est le projectionniste qui parle. Projectionniste qui parle comme ça, dis donc, il parle pas bien pour un projectionniste. C'est un zorro. Il est louche pour de bon ce projectionniste. Ouais. Hein. Alors, c'est ce qu'il a dit à Libération, voilà. Et je sais pas moi qui parlais comme ça à Vierzon, mais... Ah, Vierzon, c'est une ville très violente. Ah oui. Pour le langage, oui, pas ça va. Ouais, quand tu demandes où est la gare, on dit par ici, pauvre con. Mais il n'y a pas que Vierzon dans le monde. Il fait bon, puis hier, il sait que ça peut te foutre, connard. Non, c'est très dur. Titoff. Dans le monde entier, il n'y a pas que Vierzon ou qui pirate des films. Ah bon? Ben non, quand même. Ah oui, mais là, ils sont sûrs que c'est à Vierzon. Là, ils sont, ils l'ont chopé. Ils les ont eus. Il y a 5 films qui viennent de Vierzon. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'on reconnaît, on voit Tom Cruise dans le film où il joue un SS, mais derrière, on reconnaît le paysage de Vierzon. C'est ça qui est surprenant. Dans Spider-Man, c'est pareil, on le voit survoler Vierzon. Et on se dit, bon, il y a un truc, quoi. Mais il y a des pirates qui sont pas doués. Moi, je me souviens être allé chez des amis une fois, avoir vu mon beau-père et moi, je crois, en pirate. Mais vraiment, ils venaient de sortir, et le mec dans la salle qui filmait, donc, l'écran de cinéma, il riait, donc ça fait que la caméra bougeait et on l'entendait rire en même temps. Il pourrait au moins s'arrêter. Ah, ça, c'est pas bien copié en fait. Ah, mais non, il y a des. C'est un mec qui se lève. Il y en a où il y a des cheveux de la personne devant, tout ça quoi. Ah oui, la qualité c'est. Oui, bon, alors qu'est-ce qui nous emmerde des Américains si c'est... Mais à mon avis, les films pirates, ils ont la bande à la base. Qui balayent devant leur porte d'abord. Hein.
exactement. Ils voient d'abord qu'est-ce qu'ils peuvent là-bas en Amérique, hein, plutôt que venir nous faire chier ici. Ils croient qu'ils ont gagné la guerre ou quoi, ceux-là? Ils ont qu'à aller en Afghanistan. T'sais. Mais d'envoyer un espion pour ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pas parce qu'il y a un petit mec qui pirate de temps en temps un film américain à vierzon, quand même, qui vont nous faire la guerre, quand même. Pas si nous font la guerre, qu'ils nous la fassent, tiens. On n'a pas peur de l'Amérique, nous. Non, parce qu'ils s'entendent pas très bien, monsieur Sarkozy et monsieur Obama. On sait jamais, ça peut mal tourner cette affaire de vierzon. Il l'amène pas bouffer avec lui, c'est tout. Parfois, ça part de rien, et puis vous savez, mais s'ils nous font la guerre, nous, on est prêts à la perdre comme toutes les autres. On n'en a pas gagné une depuis Napoléon. Puis en plus, moi, j'irais collaborer volontiers. Hein. De Palmas chante Au bord de l'eau. C'est un des tubes de l'été. C'est le retour de ce chanteur De Palmas, Au bord de l'eau. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Claude Sarraute, Elsa Fayer, Titoff et Olivier de Kersauzon. Merci Julia. Et alors, dans un instant au téléphone, nous aurons monsieur Richard Houis, ça s'écrit H-O-U-I-S. Bon, je vous donne son nom, ça va pas tellement vous aider pour trouver ce qu'a inventé monsieur Houis, ou en tout cas, quelle idée il a eue, qui a un énorme succès en ce moment. Il en vend même jusqu'à l'étranger. Pourtant, il commercialise ça depuis l'année dernière, mais c'est particulièrement ces derniers mois qu'il en vend encore plus. Quelle idée a eu monsieur Richard Houis? Il a inventé le Whiskat? Non. Le whisky? Non, non. Le préservatif réutilisable? Non. L'horreur, en somme crise. Combien, est-ce que non, c'est un rapport avec la crise d'ailleurs? Avec la crise, pas du tout. Avec la grippe? Non, non. Il a une société qui s'appelle, peut-être si je vous donne le nom de la société, c'est trop facile. Je sais pas, vas-y, fais voir. Elle s'appelle Cyclope, la société. Ah, des lunettes, des lentilles de contact? Non, du tout. Non, non. Pour non, les non, malvoyants? Non. Finalement, ça va pas vous aider du tout. Finalement, vous êtes trop con, c'est pas la peine. Et alors, il a inventé un truc, c'est une petite société nantaise, hein, c'est à Nantes. Ouais. Qui gentille, gentille. Gentille. Eh oui, gentille n'a qu'un œil. C'est pour ça que ça s'appelle Cyclope. Non, 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 non. Qu'à rapport avec ça. C'était une plaisanterie, vous seriez gentil de rire. C'est ce qui remplace les crocs depuis quelques mois. C'est-à-dire? Les crocs. Bah, tu sais, les crocs. Non, les crocs. Oui, c'est, il y en a plus. Les crocs ou les crocs. C'est une horreur que tu meurs au pied. Mm-hmm. Ça a la forme d'un sabot et c'est troué. Oui. Mm-hmm. Et on en fait dans toutes les couleurs. Et maintenant, les gens reviennent. Ils n'en achètent plus et ils achètent. Les cyclopes. Quoi? Nouvelle tongue. Une des trucs que ce monsieur croque. Non, oui, pas de croque. Oui, 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 oui. Non, du tout. Pas du tout. C'est un rapport avec la dommage, vision. Hein. Ça ne se porte pas au pied, pardon. Est-ce que c'est un rapport avec la vision? Du tout. Ça cartonne en France ou partout dans le monde? Ça cartonnait plutôt à l'étranger. Et là, maintenant, ça cartonne aussi en France. Donc, ça cartonne. Depuis quelques semaines. Ah, ce sont des chaussures? Non, non, non. C'est vestimentaire? Non, non. C'est vendu 100 euros pièce, ce qu'il a inventé. 100 euros. Ouais. 100 euros pièce. C'est plutôt réputé incassable. Incassable. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et c'est pour ça qu'il a un énorme succès avec cette invention, monsieur Richard. Le sandwich? Non. Je la trouve bien bonne, cette question. Voilà. Moi, j'ai horreur de ce qui est pratique. Ça se mange. Les choses pratiques, c'est vraiment. Pourquoi? C'est pas que c'est vulgaire, les choses pratiques. Faut que les choses soient compliquées. Ce qui est pratique, c'est pas bien, c'est pas élégant, c'est pas. J'ai horreur du mot pratique. C'est vrai? Ah oui, mais je déteste. Tout ce qui est pratique est tout à fait agaçant. C'est une société comme la nôtre qui invente le pratique, alors que tout doit rester compliqué, impossible, il faudrait qu'on retourne. Mais c'est toi qui dis ça. Oui. Bah oui, bah, quand t'as voyagé en bateau pendant des années. Quand tu voyages en bateau, t'as besoin de trucs pratiques autour non, de toi. Non, et ben justement, je n'ai aucune chose pratique. Bah non. Je ne mange que des animaux vivants. Bah c'est sûr que quand tu vas. Je veux pas des choses pratiques. C'est sûr que par exemple, quand tu vas dans le centre de la France, le bateau, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Voilà. Bah, tu vas faire tes courses. C'est ce qu'il aime. Quand je vais à Vierzon, j'y vais en bateau. C'est quasiment impossible. Quand tu vas chez toi. Oui, mais il le fait quand même. Voilà. Il va avec une remorque. Les choses pratiques, c'est non, mais là, en plus, c'est bon pour la santé. Alors, les choses bonnes pour la santé, c'est dégueulasse. C'est une pilule. Contre la santé. Non, c'est pas une pilule. Est-ce que c'est une coque incassable pour protéger l'iPhone qui explose? Du tout. Est-ce que ça a rapport avec la grippe A? Non, 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 non. Ah oui, avec la grippe A, pardon. Mais oui. J'ai posé oui. La question. Ah oui, oui. Ouais, non, non, alors des mouchoirs, des Kleenex, il a inventé. Non, non, non. Il a inventé le Tamiflu. Non, 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 non. C'est pas un masque. Non. Des gants. Non. Non. C'est un pistolet à microbes. C'est un peu comme un pistolet à eau, mais c'est-à-dire quand t'as la grippe A, tu charges, puis tu fais psh, 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 sur tous les gens que tu rencontres. Quelle horreur. Un style de taser pour les... Non, non, non. Non, non. Un champ électromagnétique c'est autour pas des quelque personnes. Quelque chose qu'on porte sur nous. Ah.
C'est quelque chose qu'on laisse dans une pièce. Est-ce que ça dure longtemps? Ah, le petit produit qu'on vend en pharmacie. Non, là, non, est-ce que ça dure longtemps? Ah, ça dure longtemps, ça. Bah, est-ce que c'est le whist sans fin ou un truc comme ça, donc qui permet. Ah oui. Ah, est-ce que c'est peut-être un truc pour tirer les cordes? Ou whist, non, c'est pas ça. Non, mais bizarrement, on commence à se rapprocher parce que, en fait, une fois que c'est installé, vous n'avez plus à le remplacer. C'est une barre antimicrobe qu'on met dans la maison. Est-ce que c'est, ou alors, c'est quand on va, mettons, aux toilettes. Oui. Et alors, on se lave les mains. Ah, le petit jet d'eau qui lave le cul quand on est aux toilettes. Oh, quelle classe. C'est génial. Oh, oui. Mais il y en a dans certains pays, ça, je trouve ça formidable. Mais ça, c'est pas pratique, c'est esthétique. Et d'ailleurs, si la dame en avait eu un. Mais est-ce que Macron. Eh bien, elle aurait bu par le fion pendant 3 ans. Donc, il serait peut-être tombé sur un élevage de grenouilles. Non, mais il serait passé quelque chose. Je voulais juste rappeler à Elsa Fayard qu'on. Je pense pas que la grippe 1, on l'attrape par le cul, par contre. Hein. Non, mais c'est des microbes. Non. Ça. Alors, un savon. Quand je pense c'est arrivé, donc je me disais ça va relever le niveau. Et il dit elle aurait bu par le fion, mais sérieusement. En parlant d'une parente à moi qui est morte. À Macon. Une centaine d'euros. Non, alors, écoute, on est très loin de la réponse. Ce monsieur a inventé un truc, mais quand vous allez savoir, vous allez dire, bien sûr. Je pense même qu'on devrait en installer ici à Europe 1. Mais dans les toilettes. Dans les microbes. Dans les toilettes, donc par ça, exemple. Bon, les microbes, alors on se mouche dans la poitrine. Dans... Non, est-ce que c'est pas le truc pour se sécher les mains? Non. Mais sans qu'on se mouche. Est-ce que c'est les poignées de porte? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a inventé des portes sans poignée. Qui s'ouvrent avec les pieds. Une télécommande. La poignée de porte qui s'ouvre. Avec le pied qui pédale. Pas avec le pied. Avec le cul. Non. Avec le coude. Avec le bras, avec le coude. Bonne réponse. Comme toutes les poignées. Mais non. Elles sont toutes avec le coude. Mais non. Ah bon? Vous n'avez pas besoin de mettre la main sur la poignée. Vous faites comme ça et vous, c'est la poignée de porte anti-contamination. Je savais pas que c'est tellement sale les mains, moi. Il y a qu'à couper les mains, c'est mieux. Monsieur Wyss, bonjour. Bonjour. C'est bien ça. On ouvre les portes grâce à votre poignée sans avoir besoin de toucher la poignée. Exactement ça. Ah. On évite le premier vecteur de contamination. Vous allez faire la même chose pour les braguettes. Qui s'ouvre avec le coude. Non mais c'est une superbe idée. La preuve, c'est que vous en vendez plein partout. Oui, complètement. Oui, effectivement, la grippa est pour nous un sujet de qui nous de fait satisfaction. Mais par contre, ça allait. Une solution. Mais par contre, excusez-moi, monsieur, il y a eu des morts, mais qu'est-ce qu'on a pris comme pognon? Non, mais excusez-moi, monsieur, mais quand tu veux fermer à clé, tu fais comment avec le coude? Ah, on ferme pas la clé avec le coude. C'est pour les portes des toilettes. Et surtout, d'ailleurs, avant que la grippe A n'arrive, c'était destiné au restaurant. Parce que parfois, les serveurs ont tout des tas d'assiettes dans les mains et ils peuvent pas ouvrir la porte. Paf! Un coup de coude sur la poignée de porte de monsieur et la porte s'ouvre. On est bien d'accord. Après s'être lavé les mains, effectivement, on n'a pas envie de toucher une poignée sale qui a été touchée par 80% de personnes qui ne se lavent pas les mains. Bien sûr, oui. Vous avez une demande de devis par semaine. Chaque poignée, je vais vous la montrer, elle est là, regardez. Elle est en quelle matière, d'ailleurs, cette poignée? Elle est en polypropylène. C'est du polypropylène. Forcément, si on met du polypropylène, c'est facile aussi. Moi, c'est j'ai une question. Écoute, mon grand garçon Oïs, écoute-moi bien. Oïs, tu sais quoi? Il paraît que moi, je ne touche plus à une cacahuètes depuis très longtemps, déjà plusieurs mois. Ouais, vous nous avez déjà dit tout à l'heure. De caca. Mais non. Mais ça, c'est une vieille histoire. Mais comment c'est une vieille histoire? Oui. Est-ce qu'il a un truc pour éviter qu'on contamine? Il n'y a pas sa sucre, si vous voulez attraper une cacahuète. Oui, j'ai une très bonne idée. Il faut prendre des olives avec un petit pic en bois. Ça marche beaucoup mieux. Vous êtes sûr de ne pas vous contaminer. Voilà. Ou alors le régime. Non, mais c'est une belle idée, mais monsieur. Ça vous est venu parce qu'un jour, vous avez vu un gosse qui avait pris un coup de chaud, quoi. J'ai jamais vu un truc. C'est très sexuel. Ah oui, ça c'est horrible. C'est phallique, hein, comme poignée. Même à l'entrée des backrooms, je crois. Ah oui, c'est un sexuel accroché à la porte. Qui vous en a acheté pour l'instant de ces poignées anti-contamination? Aujourd'hui, c'est aussi bien des hôpitaux que des écoles, que des crèches, que des centres Leclerc qui équipent tous leurs bureaux pour protéger leur personnel. On a effectivement ce nouveau marché des entreprises qui veulent éviter des forts taux d'absentéisme. Vous pourriez en faire livrer une dizaine ici à Europe 1? J'aimerais bien en installer. Moi, j'ose jamais toucher la poignée des toilettes. Ouais, ici, on a un Kleenex, ça va. Moi, carrément, moi, ce que je fais, je pisse dans le couloir, alors. Non, mais c'est vrai. Alors, si vous pouviez nous en faire livrer une dizaine de vos poignées, monsieur. Bien sûr. Ça irait bien avec le décor, en plus.
C'est vachement beau chez nous. Alors, comme c'est bleu avec des c'est blanc avec vos jolis poignets roses, ce serait magnifique. C'est vous qui avez choisi la couleur de celle qui est dans la photo du journal. Nous avons 9 couleurs. On s'adapte à toutes les situations. Mais on peut le faire à sortir mes boucles d'oreilles ou pas? Bien sûr. Mais le problème, c'est que j'imagine qu'il y a des gens qui comprennent pas et qui l'ouvrent quand même avec la main. Ah oui, évidemment. Il faudrait mettre un panneau, vous pouvez ouvrir. Alors, met des petits panneaux, mais le tout, c'est une personne qui est vigilante ne dépend pas des personnes qui sont négligentes. Ça c'est bien, c'est un bon slogan. Faut mettre une tapette sur votre poignet, comme ça, qu'ils se regarderont, faut pas mettre les doigts. Parce que, une tapette, ça peut pas faire mal au coude, mais si on met les doigts dessus, ça peut faire vraiment mal. Un truc à souris. Ouais. On peut tirer avec le système, c'est-à-dire qu'on accroche avec le coude et on tire vers nous. Exactement. Pour ouvrir, ah oui, ça va dans les deux. J'espère qu'un jour on rira de tout ça. Ah oui. J'espère que nous, cette folie qu'on a. Monsieur va peut-être sauver des vies, vous rendez compte? Peut-être, mais pour l'instant, ils sauvent la sienne. Et est-ce que par exemple, pour une question d'hygiène aussi, mettons la cuvette des toilettes, on peut la soulever avec la bite par exemple? Conseil les pieds, ça paraît. Vous croyez pas que ça aurait été plus simple et plus discret d'inventer un bouchon pour que personne n'aille aux chiottes? Non, écoutez, monsieur Richard Wyss, ne les écoutez pas. Vous êtes à Nantes avec Je m'en doutais un petit peu que dans votre émission, ça se passerait comme ça. Vous êtes à Nantes avec votre société Cyclope. Pourquoi Cyclope, d'ailleurs? Cyclope, c'était quand je faisais de... C'est un ancien fumeur. Je faisais de l'agencement, non. C'est l'œil intuitif. Vous l'avez été intuitif, et grâce à vous, peut-être, des tas de Français, et même des étrangers, puisque vous vendez à l'étranger, n'attraperont pas la grippe A, parce qu'ils auront touché non pas une poignée habituelle, mais une poignée anti-contamination, celle qu'on ouvre avec le coude. Merci, monsieur Wyss. On se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Ce sera après les informations de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Jusqu'à 18h30, mais j'espère que vous trouverez avant. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Titoff et Olivier de Kersauzon vont tenter de trouver qui se cache dans la loge d'honneur. Chaque soir, depuis lundi dernier, nous avons donc quelqu'un que vous devez identifier. Nous avons déjà reçu la semaine dernière, souvenez-vous, Samuel Benchetrit, Jacques Seguela, Marianne James, Philippe Delerme. Vendredi dernier, c'était Patrick Timsit. Qui se cache ce soir dans la loge d'honneur? Sa voix est déformée, je vous le rappelle. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très 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 bien. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, j'avais trouvé la poignée de porte. Très bien. Il avait trouvé la poignée de porte. N'y touchez pas pour l'instant la poignée de porte. Restez caché encore quelques minutes, le temps que mes camarades vous identifient. Vous ne répondez que par oui ou par non ou par des phrases très très courtes, s'il vous plaît. C'est parti. Vous êtes un monsieur? Oui. Moi, je sais qui c'est, moi. C'est le père d'Olivier de Kersauzon qui arrive de Bongoville. On a voulu lui faire ce plaisir parce que ça l'a choqué tout à l'heure. On se rattrape comme on peut. Vous êtes un acteur? Oui, je le fus. D'accord. Chanteur, aujourd'hui? Non. D'accord. Il n'a jamais chanté, mais c'est vrai qu'il a été acteur. Mais tu déformes tellement sa voix que moi, je comprends même pas c'est oui et c'est non. Ah bah attendez, j'ai articulé. Voilà. Articule, c'est ça. Mais c'est normal parce qu'il a pas dit oui ni non. Donc c'est un peu normal que tu n'aies pas compris. C'est pas Jean-Pierre Coff, on la refait pas deux fois. Non, ce n'est pas Jean-Pierre Coff. Oui, c'est spécial Jean-Pierre Coff. Spécial. Est-ce qu'on a parlé de vous cette semaine? Je pense. D'accord. Ah, est-ce que oui, vous sortez quelque chose, un livre par exemple? Oui. Vous êtes écrivain? Non. Mais vous écrivez quand même. Une pièce de théâtre? Non. Non, il sort un livre, c'est vrai qu'il vient nous voir pour un livre qu'il vient de publier. Pourquoi il nous dit un non? Un livre choc? Non, il est écrivain, mais il vient pour un livre qu'il vient de... Il n'est pas écrivain. Il est éditeur, donc... Vous êtes chanteur? Non. Tous ceux qui sortent un livre sont pas écrivains, enfin voyons, il y a des tas de livres. Non, il y a même Basile Boli, il avait sorti un livre. Alors... Monsieur, est-ce que c'est un livre qui parle de vous? Oui. De sa vie? De votre vie? De son parcours? Mais que vous n'avez pas écrit? Si, vous avez écrit vous-même, c'est une autobiographie. Si. Ouais. C'est une forme d'autobiographie, on va dire. D'accord. Oui, on est de souvenirs, un livre de souvenirs, voilà. Ça vous va, d'accord. Oui. Et des souvenirs qui datent de longues années. Oh là là, vous n'étiez pas né. Je vais vous donner un indice, parce que vous semblez bien séché, là. Notre invité d'honneur a joué dans le même film qu'un d'entre vous.
Okay. Wow. Il y en a un qui est acteur Titeuf, ça peut être. Un ou une d'entre vous. Ah, non, alors ça peut être la vieille maîtresse. Mais non. Ah oui, Claude Sarraute a joué dans un film. Ouais, j'ai joué. J'étais même pas moi la vieille maîtresse. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Ah ouais. Elle avait 30 ans. Notre invité d'honneur a joué dans le même film que l'un d'entre vous. Est-ce que c'est moi l'une. Est-ce que c'est moi? Non. Est-ce que c'est moi? Titoff. Non. 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 Pierre, non. Olivier a joué dans un film. Il avait joué dans un film. Oui. Ah. Ah. Alors? Il y en a pas eu beaucoup, si? J'ai fait une fois, j'en ferai. J'ai jamais voulu refaire. Eh ben, il se trouve que notre invité d'honneur a joué dans le même film que vous. Avec un grand rôle? Allez, vas-y. Réfléchis. C'est un guest. Alors, est-ce que c'était l'époque où le porno dis-nous passait? Seulement, dis-nous seulement comment s'appelait le film. Bah oui. Ouais. Liberté, égalité, choucroute. Ah. Ah, alors peut-être vous n'avez pas joué dans le même film. Ah ben. Ça se complique. Ah, ouais, là, ça devient dur. Ah, parce que vous n'étiez pas dans Liberté, égalité, choucroute. Non. Ah. Non. Et vous, est-ce que vous étiez dans... Bah alors, je ne dis rien. Si, bah dans quoi? Bah si, continuez. Dans 2h15 avant Jésus-Christ. Oui. Ah, ça c'est Jean-Yann. Alors, si on a Jean-Yann, c'est balèze. Jean-Yann, hein. Il est pas là. Si on l'a, c'est fort. Je sais bien qu'il est pas là, mais c'est Jean-Yann. Ah oui, oui, c'est là, carrément. On va avoir Léon Zitron. C'était un mauvais indice, car j'ai confondu deux films, je dois dire. D'accord. C'est ma faute. Qu'est-ce qu'il jouait dans... avant Jésus-Christ. L'Anvin, il jouait dedans. Et peut-être vous avez trouvé d'autres questions pour identifier notre invité, parce que ça va vous mettre sur une très mauvaise piste, je crois, manifestement. Vous êtes brun ? Je le suis. Ah, vous êtes blanc ? Les cheveux ? Non, non, ça serait plutôt blanc. Plutôt blanc. Notre invité d'honneur a joué dans Z de Costa Gavras. Ouh. C'est vous dire. Et le livre, en fait, c'est une biographie, donc... De souvenirs plutôt marrants. Vous êtes metteur en scène? Non. Non, il est acteur. Je n'ai pas tourné de cinéma muet. D'accord. Je vais quand même vous donner un indice supplémentaire. Notre invité d'honneur est né le jour où Lindbergh a traversé l'Atlantique. Ouh là là là, là il est encore plus vieux que moi, là. Oh bah c'est bon, ça va limiter les choix, alors. C'est en 38, ça, je crois, non? Ah, non, non, ça, c'est pas en 38, c'est avant Lindbergh. Bien avant. Vous êtes plutôt comique, drôle dans la vie. Je ne peux pas savoir. Vous êtes c'est film. Galabru. Non, ce n'est pas Michel Galabru. À vous de trouver. Hein, il mais faut non, j'ai dit, fut un acteur. Ah. C'est un acteur, Galabru. Lui, il n'est plus acteur aujourd'hui. Plus acteur. Alors, je vais vous aider encore. Parce que là ça semble difficile ce soir, manifestement. Mais vous ne posez peut-être pas suffisamment de questions. Alors, si je vous dis que c'est un roi qui n'est pas souvent passé rue François 1er. Un roi. C'est un roi. Chut, on ne dit rien dans la salle, merci. C'est un roi qui n'est pas souvent passé rue François 1er. C'est beau. Stéphane Bern. Pardon? Stéphane Bern. Non, pas Stéphane Bern. Mais non. Un roi, mais un roi d'un pays. Roi d'un pays. Mais c'est pas un vrai roi, Claude, c'est un indice. Claude, c'est une image. C'est une image. Évidemment. C'est Francis Perrin, le roi des cons. Non. Non. Ah oui, c'est le titre d'un film avec Francis Perrin, c'est vrai. Je suis pas bègue. C'est gentil pour moi, lui. Moi, franchement, cet indice, ça m'a vraiment bien aidé. Ah oui, oui. Un roi qui n'est pas souvent passé rue François 1er. Peut-être je vais vous donner un indice sonore, si vous le voulez bien. Vous allez entendre la voix de notre invité d'honneur. Madame Dalí. Oh, je vous en prie, ne m'appelez pas Madame Dalí, ça me fait penser à une carte martienne. Et vous n'aimez pas les cartes martiennes? Je n'ai rien contre. Vous y croyez? Est-ce que vous consultez? Vous consultez quand même? Avant de prendre un disque, avant de choisir un titre. Non. Zorba, par exemple, vous n'aviez pas consulté? Non, je n'ai pas consulté, Ah, parce que vous ne vous êtes pas trompé. C'était en quelle année, ça? Je crois, si ma mémoire, elle est bonne, mais des fois, elle n'est pas tellement bonne. C'est pour ça que les gens ont toujours besoin. Pierre, José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est José Arthur qui va nous rejoindre dans ce studio. Effectivement, José Arthur, que je vous demande d'applaudir tout de suite et on le retrouve après la pub. On retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 avec toute son équipe et l'invité de la loge d'honneur, Monsieur José Arthur. Bravo, oui. Bravo. Vous auriez pu quand même le trouver avant. Il a fallu que vous reconnaissiez sa voix, qui pourtant était quand même assez méconnaissable. Bah oui. Cette interview de Dalida, ça remonte. Non, mais c'était le rythme des questions. Ah, mais j'avais pas reconnu Dalida, moi.
C'était Dalida qui répondait à vos questions, José Arthur. Et puis, je trouve que moi, c'était une bonne idée de se mettre au bord de la route pour l'interview. José Arthur publie Au plaisir des autres chez Michel Lafond. Il parle un peu de lui, beaucoup des autres. Et effectivement, c'est pas tout à fait une autobiographie. Ce sont pas vraiment ses mémoires, non. Ce sont des souvenirs. Oui, c'est ça, c'est, j'emploie le mot, vrai, là, une toile de fond d'un mec qui a vécu très longtemps et qui compte continuer et qui donc a vu pas mal de choses et qui est arrivé à l'âge où il peut mentir, plus personne peut le contredire. Ah, d'ailleurs, vous n'êtes pas foulé, hein, pour les remerciements au début du livre. Vous remerciez, vous dites à tous ceux qui m'ont tendu la main. Vous auriez pu mettre des noms quand même. Oui, mais il y avait des homosexuels dedans, il y avait des gens qui ne sont pas de ma religion, donc j'ai fait attention. Quand même. Il faut plus tendre la main maintenant avec la grippe. Comme la poignée maintenant, c'est avec le coude. Hein. Dites, je vous ai enfermé dans une loge, oui, mais... comme un invité mystère, et je crois me rappeler, je voudrais vous rendre hommage, que vous avez pratiqué en tant qu'animateur ce genre de jeu sur France Inter. Ah, mais oui, mais alors vous n'y étiez pas né. Comment, si, je vous écoutais, comment ça s'appelait? Ça s'appelait À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Alors on faisait rentrer l'invité de. Mais il y en a qui l'ont fait ici d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens voyaient qui c'était et j'avais une graphologue aussi qui lisait un petit papier et puis c'était difficile à trouver sauf un jour où j'attendais quelqu'un, je l'ai vu en face au bistrot. Et il m'a dit, oh, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec toi. Et il a fait, oh, je ne vais pas te le dire. Et ça a été le plus dur de l'émission. Et oui, d'arriver c'est... à faire, enfin, penser tout le temps que je ne savais pas. Et oui, évidemment. Mais là, c'est pour ça que je fais très attention. Je suis rentré en catimini. Et oui, je fais très attention. Mais pourquoi vous nous attachez Alors, ça, c'est le trip de Laurent. Oui, ça. C'est un plaisir simplement personnel. Ça, c'est son truc. Hein. Alors, c'est vrai que vous avez joué dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. En Travelot, d'ailleurs. Voilà, le film de Jean-Yann. Et c'est ma faute. J'ai confondu les deux films. Oui. Olivier de Kersauzon, c'était dans Liberté. Moi, je faisais Régine, Réginus. Les gens, c'était effrayant. Mon fils avait 10 ans à peu près à l'époque et il a souffert le martyr à l'école. Oh, j'imagine. Il y a une photo de moi dans le livre là-dedans, c'est honteux. Vous racontez dans votre livre d'ailleurs que Jean-Yann et Coluche ne se parlaient quasiment plus sur le tournage du film. Ils disaient des heures. J'ai entendu tellement de gros mots dans votre émission tout à l'heure qu'on peut se permettre de raconter l'anecdote parce qu'on n'aurait pas pu ailleurs, mais là on peut. Ils se parlaient plus. Alors il y avait 3 lieux, c'était à Monastir, chez le Bourguiba, là-bas. Alors, il y avait Serrault qui était avec sa femme et sa fille dans un hôtel. De l'autre côté, il y avait la bande à Coluche, un hôtel où il recevait tout le monde, fastueux comme toujours. Et puis, il y avait Jean-Yann avec Mimi Coutelier, qui était une femme charmante, qui faisait admirablement les crevettes, mais qui jouait très mal, et qui jouait Cléopâtre. Et donc, non, mais faut tout de même le dire. Mais elle faisait les nouilles très bien, on l'appelait Cléopâtre. Et donc, on jouait dans un endroit, dans une ancienne mosquée où on voyait les Arabes qui étaient là étaient sidérés de voir tous ces mecs en jupette qui couraient en travelot et en tout et on était dans un coin et puis Jean qui s'amusait follement à m'avoir obligé à être comme ça il parlait plus à Coluche et donc c'est moi qui dis tu diras à monsieur Colucci de se mettre un tout petit peu plus de profil enfin cette question là et à ce moment là au moment de commencer il n'apprenait pas son texte. Et alors, il emmerdait les autres parce qu'il tâtonnait, puis les autres disaient le texte, ils étaient de moins en moins bons, les mecs, et lui était de mieux en mieux, et c'est lui qui ramassait tout. Et à un moment, il dit, la scène moteur, ça va couper. Et il y a Coluche qui quand même s'adresse directement à lui, fait ça t'a pas gêné que j'ai pété au moment où t'as dit moteur? Il dit, ah non, je croyais que t'avais commencé à parler. Ah oui, bonne ambiance. Ah, c'était ça, le climat, il était là. Bonne ambiance sur le plateau. Alors, cette anecdote est dans le bouquin, il y en a des tas d'autres, d'anecdotes incroyables, amusantes, vos rencontres, vos interviews. La gaffe, par exemple, que vous avez pu faire face à Claude François, qui arrive avec une nouvelle fiancée face à vous. Oh oui, quelle horreur. Allez-y, racontez. Alors, c'est confus. Il y avait une boîte, je ne sais pas si elle existe toujours à Cannes, la Chunga, un restaurant de nuit. Toujours. Vous pouvez demander à Titoff
fait à Pierre. Oui, c'est même la seule boîte qui soit un peu marrante. Voilà, on peut dîner très tard, jusqu'à 5h du matin. C'est vrai que c'est le seul poivreau. C'est à côté du Martinet. C'est le seul poivreau qu'il y a dans l'émission. Et donc, je faisais le pop. C'était l'époque, ça marchait très bien. Et puis, je sors un petit peu fatigué, un petit peu machin. J'étais vaguement en froid avec Claude François, parce que je l'avais traité de chanteur, je crois. Et donc, je vais pour manger un petit truc à la Chunga, et il avait une table colossale, il rinçait tout le monde, parce qu'il était très généreux, machin, ou son impresario, je sais pas. Et puis, il me voit, et comme il était intelligent, il fait, oh, José, viens, machin. Et alors, tout le monde s'écarte comme ça pour recevoir le petit mec à l'époque, où l'époque où on aimait bien ma tranche plus que ma tronche, d'ailleurs. Et je m'assieds à côté. Merci d'avoir. Je vous le rendrai au centre. S'il vous plaît. Et alors, à ce moment-là, je vois une ravissante jeune femme, mais une ravissante petite jeune femme, un petit anagra, super mignon comme tout, vraiment. Et je m'assieds à côté, et je commence à dire, oh, elle est mignonne, et tout. Et je dis à cette demoiselle, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et c'était, je me souviens même plus le nom de la chanteuse. France Gall. Décidément, la pauvre. Qui était au maximum de sa gloire. Et qui a pris ça comme une vacherie, alors que c'était un homme que j'avais pas reconnu. Et je fais, qu'est-ce que vous faites? C'est comme si à vous, mon cher Kersauzon, disait quelle profession vous faites. Je ne saurais pas quoi vous répondre. Alors, justement, il y est, Olivier de Kersauzon, dans votre livre. Ah, mais il y a même une photo où Il est en photo. On a fait une tournée maudite. On a fait une tournée sur le trimaran ensemble. C'est un très bon marin de temps en temps. Ah oui. On voit la photo. Olivier de Kersauzon. Vous racontez que vous étiez vous. D'ailleurs, le nom, c'est trimaran. C'est une très jolie riz. Voilà, merci. Ah ouais, je vais lui faire des plaisanteries pour lui. Benichou, c'est notre rieur, mais il est un peu rouillé. Mais sinon, il est... Alors, racontez-moi où c'était que vous étiez. Il a été très drôle, Benichou. Où c'était que vous étiez en croisière ensemble? Oh, je sais pas où ils étaient, mais vous avez lu le bouquin de José Arthur, Olivier de Kersauzon? Il lit même pas les siens. Ça s'appelle Au plaisir des autres chez Michel Lafaux. Il raconte des trucs sur vous, Olivier. Il y a une photo à Saint-Tropez. Le trimaran est à quai à Saint-Tropez. Il raconte des choses que je ne savais pas sur Olivier de Kersauzon. Il est hétérosexuel, non? Non, je savais pas qu'il avait été amoureux de Brigitte Bardot. Vous le racontez, ça? Mais non, c'est Tabarly. Non. Il est amoureux de Tabarly? Mais c'est Tabarly qui a une ligne... C'est très mal écrit, alors je suis désolé. Olivier de Kersauzon ne manquait pas une occasion de rendre hommage à Éric Tabarly, son maître. Celui qui lui a appris à dompter les vagues, le vent, la peur et la solitude. Voilà. Point. Je n'ai pas pratiqué ce grand marin en mer, je ne l'ai connu qu'à terre, tout fou, donc amoureux. Donc c'est le dernier nommé. C'est pas clair, votre histoire. Alors, merci. Le chapitre s'appelle Olivier de Kersauzon, il s'appelle pas Éric Tabarly. Il dit ce grand marin. Ah voilà, donc ça peut... Cela dit, je n'ai pas été vache... J'ai pas été vache pour Tabarly, parce que moi, Colas est tombé en mer, il m'a dit au micro, un bon marin ne tombe pas de son bateau. Et quelques années plus tard, il est tombé de son bateau. Alors j'ai été gentil, je l'ai pas dit posthume. Vous avez loupé un scoop, en tout cas, j'ai appris ça aussi en lisant votre livre. Celui-là, pas qu'un peu. Vous étiez à l'antenne, dans le Pop Club, donc j'imagine, sur France Inter évidemment. 40 ans de Pop Club, c'est ça, l'émission a duré 40 ans. Je les ai eus à l'usure. De 1965 à 2005. Mais c'est incroyable. Et ce jour-là, vous aviez Georges Brassens autour de vos micros et... Et là, il y a un appel, parce que vous venez de faire une plaisanterie sur Mesrine, parce que vous l'appelez Mesrine. Et il appelle la radio. Et j'avais une assistante merveilleuse, Martine de Rabaudet, qui va au téléphone et qui dit « Allô, ici c'est Mesrine, je veux parler à José Arthur ». Alors, j'étais en haut de la tour, vous savez, comme ça, tout en haut, et il dit « J'arrive parce que vous venez de dire un truc que je ne supporte pas ». Il venait de tirer une balle dans le genou d'un journaliste. Alors, il dit « Je veux, une fois pour toutes, et c'est compris, que je m'appelle Mérine ».
Et c'est pas parce qu'il y a un S, je ne veux pas qu'on dise Messrine. Je dis, ben, excusez-moi, je ne savais pas. Mais, il venait de prendre une balle lui-même dans le beach, quoi, à Deauville. Et c'était vraiment un type comme ça. Il me dit, je monte. Je lui dis, écoutez, alors, à moi de vous rendre un service, si vous montez là, on est au 34e étage, il y a un seul escalier, il y a un ascenseur, trois minutes après, autant aller directement au quai des Orfèvres vous livrer. Enfin, quand même, moi, je lui aurais dit de monter, vous auriez... Alors, voyez, Laurent, quand il dit, je monte pour vous descendre. Mais Laurent, vous voyez, c'est très curieux. Vous évoquez un sujet, si vous me donnez une demi-heure. Non, mais il y a deux formes de journalisme. C'est très curieux. Vous l'avez dit en blaguant, donc ça me permet de le dire. Mais un petit gosse a traversé le balcon au cinquième étage. Il y a deux photographes de presse qui sont là. Il y en a un qui attend que le gosse tombe. Et il y en a un autre qui cherche une couverture avec des copains pour la mettre en dessous. Ouais. Moi, je fais partie du mec qui cherche la couverture. Ah ça, ouais. Ça, c'était sur le tournage de Jean-Yann? On va dire. Non, mais c'est vrai que Mérine, je lui ai sauvé la vie. Il devait mourir trois mois après, donc ils s'en foutaient. Mais il montait, il était accueilli là-bas. Trois mois plus tard, il était descendu porte de Clignancourt. À votre demande, alors. Non, mais... C'est lui, en fait. Assassiné, hein. je le dis ouvertement. Alors, il n'a pas eu de sommation. Hein. On reparle avec José Arthur pour la dernière partie de l'émission dans quelques instants. Il publie Au plaisir des autres, c'est chez Michel Lafon. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Aujourd'hui, dans la loge d'honneur, c'est José Arthur qui se cachait. C'est pas... Bah oui, la vie serait bien dure s'il n'y avait pas le Pop Club avec José Arthur. Il m'a vu naître, il m'a vu naître, lui. 40 ans de micro sur une autre radio France Inter. Voilà pourquoi je vous avais donné cet indice. C'est un roi, le roi Arthur, qui n'est pas souvent passé rue François 1er. Ah. Mais j'ai travaillé ici, vous n'étiez pas né. Ah, c'est vrai? Ah oui. J'ai travaillé ici avec Powell, c'est avec Bergier. Travaillé, j'ai fait des championnats de supporters, j'ai fait des trucs très passionnants ici. Et vous êtes effectivement né, je peux donner la date? Oh, 20 mai 27, le jour de Lindbergh, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de moi dans les journaux. Il y a deux mois de plus que moi, c'est mignon. Ça me donne envie de m'inscrire dans un club de bridge. Oui, c'est ma petite sœur. j'ai connu sa maman. Ouais. J'ai connu qui m'a. J'ai une pléiade dédicacée par elle. Ah, je suis ravie. Elle était et formidable. Et ça, tout de même, c'est un des livres auxquels je tiens le plus. C'est ce qui m'a le plus surpris possible. En lisant votre bouquin, enfin, et surtout en feuilletant et en regardant les photos, je dois dire, c'est que. Vous avez pris des photos de tout le monde, en fait, tous les gens qui passaient dans vos émissions. Ah mais voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'ai pas de photos des gens. Oui, mais vous avez des enregistrements, tandis que moi, il y a quasiment pas d'enregistrements, il y a des photos. C'est une forme de radio. Parce qu'on vous voit en photo avec tout le monde, en fait. Moi, j'y suis allée souvent chez lui, j'y suis même pas. Non. Tu vois. Mais il aimait ta mère. Il aimait ma mère. À l'époque, l'appareil photo n'existait pas encore. Quoi, j'ai raté Bob Dylan et Elvis Presley. Vous dites entre et Schoenlein. Non, mais Bob Dylan, vous auriez vraiment aimé. Non, on avait rendez-vous et puis ça s'est pas fait. Mais j'ai eu, je sais plus que tous les autres. Là, les Duke Ellington, les danses, les Who, les Beatles. Je les ai tous eus. Bon, mais ceux-là, Presley, c'est parce qu'il partait faire son service militaire à Berlin. Il s'était arrêté, mais c'était délirant, parce que je crois que c'était le colonel Parker qui s'occupait de lui. Oui. Et alors, il réclamait, il discutait le pognon. Et à un moment, il disait, bon, ça, c'est pour moi, maintenant, on va parler pour Elvis. c'est extraordinaire comme formule. Il y avait le capitaine Moore avec Dali qui faisait un peu ça aussi. Vous avez même eu des Miss France. Il y en a une qui a été géniale, hein. Elle vous a dit, mon élection a été une victoire à Lapidus, au lieu de à Lapidus. Ah, oui. Victoire à Lapidus, c'est pour les robes, oui, ça. Oui. Victoire à Lapidus. Elle devait être habillée. Vous en avez entendu comme moi, non, Laurent. Mais vous êtes gentil parce que vous l'avez laissé dire, vous l'avez pas corrigé. Ah non, jamais. Ah ben quand même. C'est drôle, je l'ai. Mais il y a un auteur qui était fabuleux, et on peut pas l'inventer. Il y a un petit auteur qui a pas vendu beaucoup, et je lui dis, mais avec votre éditeur, ça va? Il me dit, avec lui, il n'y a jamais eu de tirage. Ça, on peut pas inventer. Et avec la fille de Franco, là, où j'avais été foutu à la porte, avec la marquise de Villaverde, où j'étais bourré comme un canon, je m'étais pas rendu compte. J'avais bu au soleil en arrivant à Cannes, et j'arrive complètement pété, et heureusement qu'il y a Claude Villers avec qui je travaille beaucoup.
Et il y a Salberg, qui était mon directeur à l'époque, qui me dit, José, je suis avec la marquise de Villaverde, la fille de Franco, je te l'amène au micro. Il l'amène, et moi, je m'ai bourré comme un canon, je lui fais, quel effet ça fait d'être la fille d'un assassin? Ah! Et là, ça a été l'horreur. Mais l'horreur, j'étais, oui, on dirait que j'étais emmené, ça fait un incident. J'étais lourdé pendant 15 jours au bas mot, incident diplomatique et tout. C'était bien fait pour sa gueule. Oui, très bien. Beaucoup voyagé avec votre émission. Vous étiez logé dans des hôtels Latitude. Oui. La chance. Il le demandait à chaque fois. José Arthur, Pop Club, évidemment, c'est écrit sur la couverture, mais le titre, c'est Au plaisir des autres, et c'était en tout cas un plaisir pour nous de vous avoir autour de cette table. C'était aussi un hommage que je voulais vous rendre, vous qui justement avez animé une émission du même genre. Vous pouvez le redire, là. Un hommage que je voulais vous rendre, maître. Moi, je voulais vous faire un compliment parce que vous êtes un type marrant et vous riez beaucoup de vos plaisanteries, mais vous riez énormément de celles des autres. Ah oui. Et parce que vous êtes un homme heureux, ou tout au moins vous faites semblant. Bon, là, depuis une demi-heure, j'ai fait semblant. À demain, 16h. Bye bye. À demain, très cher Laurent Ruquier, 16h, 18h30 sur Europe 1, on va gêner. Et ce soir, dans Studio Europe 1, Michel Drucker recevra comme invité les comédiens Samuel Le Bihan et Chiara Mastroianni. Je rappelle que Michel Drucker, c'est tous les soirs de la semaine, de 19h à 20h30 sur Europe 1.